Salut la gang, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit stream quotidien. Aujourd'hui, on passe un peu de Ace Attorney accompagné de Ice Star, comme on fait d'habitude les dimanches, mais qu'on va passer dimanche et qu'on pourra probablement pas dimanche prochain, fait que ça va sûrement être un autre jour la semaine prochaine encore. Mais bref, du coup, aujourd'hui, deuxième affaire de l'épisode de, bah, techniquement 5, mais 2 de la trilogie Apollo, l'épisode de Duel of Destinies. Du coup, on est évidemment en compagnie de Ice Star, on va aller le rejoindre sans plus tarder. Alright, je suis là, je suis live. Il y a un nom aussi Bonsoir, du vous tous. Hunter. À moins que tu veux insinuer moi quand tu dis Hunter, parce que à cause du truc que j'avais fait, mais. Misère de misère. Bonsoir à toutes et à tous. Aïssa 53, j'espère que vous allez bien. On n'est pas dimanche soir, non, on est mercredi soir. Décalage, programme oublié. On a quand même pouvoir avancer, bien sûr, dans ce qu'on peut de l'apologétique de cette tournée. Quantumaster m'accompagne, en tout cas son avatar m'accompagne ce soir. Là, c'est ma Bon, vraie il a forme. l'avantage. Voilà. C'est un pseudo Kirby. C'est son rêve ultime, devenir un Kirby. C'est pas mon rêve, c'est dans mon lore, je suis un Kirby. Pistache, tomate, précise. Quoi? Non, demain, c'est de Ah! nouveau lundi, t'étiennes quoi? Comment ça? Non. Non, non, parce que sur le coup. Quand on dit Kirby, on pense aussi à Curly. Tu sais, les Curly qu'on mange, Oui, les apéros. Forcément. Allez, restons un peu plus sérieux. Après tout, on est là pour enquêter. C'est ce qu'on va essayer de faire. ouais. Par contre, est-ce que lancer le truc du menu ici, ça va pas faire crash avec tout le setup? Oh, ouais. On l'est pas. J'espère pas. Hein. On Bon, croise les doigts. Hein. puis on lance start, c'est pas. Si t'as pas d'amis, prends un cœur, des essais, oui, exactement, et ça. Bah, allez. Let's go. On a les rouages qui chargent. C'est bon Non, si signe, les ça. rouages, je suis bon. Si c'est un écran noir, là, c'est pas bon. Par contre, est-ce que le jeu va être capable d'endurer la cinématique? Mais la dernière fois, il l'avait fait. Là. La dernière fois, c'était la cinématique du bébé pour ça devrait aller. La volte-face monstrueuse. Oh là, on va avec un monstre. Un démon. Ah, un renard à neuf queues. Le Japon avec sa voiture de 5. Longtemps, le renard à neuf queues terrassa le vil Tarotemna et l'enferma à jamais. Selon la rumeur, il vit toujours plongé dans un profond sommeil au sein de la chambre scellée. Bonne nuit, conseiller. Fermez les yeux à jamais. Enfin, après tant d'années, Taro sera bientôt de retour. Wait. Je peux lancer un bémol. Ouais. À force de voir toujours nous mettre des noms français à nos personnages, avoir une affaire au Japon, il n'y a pas un problème. Techniquement, je suis pas sûr si c'est vraiment au Japon l'affaire, mais. Excuse-moi, les créatures, c'est la mythologie japonaise. Hein. Oui, ça Alors, oui, mais. je suis désolé. Quelle horreur est-il? Oui, t'as vu, il y a eu un meurtre. Quelques mois avant l'explosion au tribunal. Pas bien longtemps. Tiens, je dois être en avance. Coucou Apollo, tu commences tôt aujourd'hui? Ouais, c'est ma première mission depuis longtemps. Eh bien, j'en connais un qui gonfle à bloc. Pas forcément du mur, je m'en doute. C'est pas tous les jours que Monsieur White fait appel à moi. C'est quoi cette mission d'abord? Il ne m'a pas donné de détails. Une mission?
ce jeu de termes qu'il a utilisé. Ah. On est d'accord que le dessin de Vérité a changé. Mais c'est un modèle 3D maintenant. J'avais pas vraiment fait gaffe à ça dans la première affaire. Ouais, c'est toutes bizarre. Les perdelles, c'est des modèles 3D maintenant. C'est sur 3DS, donc tu sais 3D. Ouais, mais... Non, mais j'ai l'impression que sous le coup, si elle est un peu plus... Sans être méchant, hein. Grosse. J'espère que je vais pas encore être de corvée de toilette. Tu fais un peu partie des mêmes maintenant, Apollo. D'ailleurs, ça va bientôt faire un an que j'ai été embauché. Beaucoup de choses se sont passées depuis. Je préférais avant d'études. Ouais. Mais je me suis bien intégré malgré quelques écueils. Je m'appelle Apollo Justice. Je suis avocat depuis environ un an, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Me voici dans l'agence à tout faire right, c'est ici que je travaille. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit bien d'un cabinet d'avocat. Sans oublier que c'est aussi une agence artistique, Apollo. On oublie surtout que c'est un cabinet d'avocat en fait. Je présente Verity Wright, magicienne en herbe. Et fille adoptive du propriétaire, Phoenix Wright. Elle me demande parfois de l'aide pour ses tours de magie. C'est grave. Tu es aussi l'un des artistes de l'agence, tu sais. Moi qui pensais être avocat. Oh, il faut faire vite. Papa ne va pas venir, alors en route. Ok, où est-ce qu'on va? Et la mission qu'il m'a donnée? C'est ça ta mission, Apollo. Tu vas me tenir accompagné toute la journée. Allez, on y va. Un autre jour où mon badge ne va pas me servir. J'aurais dû m'en douter. Bah oui, on ne l'appelle pas l'agence à tout faire, right, pour rien. Il n'y en a pas de retour de nouvelles affaires pour toi, alors. Non mais, pourquoi je travaille ici, juste? Oui, Mr. Wright. Il n'est pas là, Yulop, par rapport. Oh, il avait dit la semaine passée que Yulop pouvait pas être là cette semaine. Ouais. Il n'y a pas dit mercredi. On l'a pas recontacté pour mercredi, c'est vrai. Ouais, c'était compliqué à planifier, donc... Ouais. Bah, moi-même, j'étais même pas sûr si je fais streamer aujourd'hui, avant, genre, hier, tard, fait que... Ok. Papa a dit qu'il y avait quelqu'un à voir. Mais t'inquiète, si tu fais bien ton travail, je te dirai ce qu'il te faut savoir. Bon, allons-y, on n'a pas toute la journée. Attends! Bon... C'est parti pour une nouvelle journée extravagante dans l'agence de tout faire, right? Voilà, on est 9 queues, ruelle des yokai. Les yokai, c'est les créatures démons. Oui. Ou un peu esprit démoniaque plutôt. De l'esprit de l'unique. Phew! Bon, dis-moi qu'est-ce qu'on fait dans les montagnes? C'est le vallon de neuf queues. Tout le monde dit que les yokai font fureur ici. Les yokai? Ce sont des monstres japonais, non? Ça explique tous ces trucs bizarres. D'ailleurs, ce ne sont pas des immigrants japonais qui ont fondé le vallon de neuf queues? Ah bah voilà, je comprends maintenant. Le jeu m'a scroogé un petit peu avant. Quel bâtard. Ouais, ils organisent un festival au manoir du conseiller pour attirer les touristes. Mon ami qui y travaille nous a invités. C'est pour ça qu'on est là. En gros, faut que je t'accompagne car ton père est trop occupé. Après papa, avec tes cornes sur la tête, tu vas totalement sa place dans ce festival. C'est vrai que tu ressembles à un démon japonais. C'était chic de sa part, hein, Apollo? Ouais, il est vraiment chic pour dire ce genre de choses. Bon, ça va commencer. Viens, Apollo, c'est par là. Ok, il est temps d'aller voir le jardin du manoir Kyubi. Un papa analyse, apparemment. Non, donc déplace-toi. Tu peux pas on va quand même s'amuser à dire. Je vais faire parler un peu, quoi. La folie des monstres. Je crois que j'en ai entendu parler à la télé. Ce qui a permis au vallon de neuf queues d'éviter la banqueroute. C'est le genre de choses qui ferait du bien à notre cabinet. Oh génie, on pourrait avoir des monstres nous aussi. Toi et papa, vous feriez un super duo comique. Votre nom de scène serait Agni et Rudra.
Les démons du rire. Papa fera des chansons et toi tu mimes. C'est une idée de génie. J'avais plutôt prévu rester avocat. Ah bon? Cache ton incrédulité. Merci, tu as vu mon badge d'avocat? Tu me vois que tu l'as perdu. Tu exagères des fois, Apollo. C'est fou quand même. Je l'ai peut-être laissé tomber quelque part. Il est là, coucou. Et regarde, une culotte. C'est pas ça que je cherche. Où est mon badge? Tada! C'est ma culotte magique, tu te souviens? C'est dégueulasse. Hé, hey, mon badge! Ça alors, comment t'as fait ça? J'ai tout préparé quand on était au cabinet. Mais quand as-tu... Attends, tu as pris mon badge? Sans commentaire. D'accord, ça se prend comme ça maintenant pour l'heure, ok. Oui. Du coup, il n'y a plus d'histoire de tu as besoin d'aller dans tel lieu pour aller dans tel lieu. Tous les lieux sont toujours accessibles à tout moment. Ce qui est pas mal plus cool. Ça change les cheminements. Après, se forcer à faire les cheminements pouvait se forcer aussi à activer des interactions. Ouais. C'était pas plus mal au plus. Et... Il y avait aussi une logique, quoi, dans la narration. Ouah, wow, quel bel endroit! On se croirait dans un autre monde ici. Vérité! Alors, elle est tellement blasée que j'ai une voix blasée. On est d'accord? Faut débattre, battre le champion d'arène pour obtenir son badge. Malvena. Oh. C'était pas son vrai nom en anglais, on est d'accord? Non. Je pourrais pas te dire c'est quoi son nom en anglais, mais je sais que c'est pas ça. Mais va Malvena. Qui est-ce? Mon ami. Malvena Temba. C'est elle qui nous a invités. Elle est domestique au manoir. D'accord. Fais-tu du rouge? Serait ça de bon? Et pas du tout, hein? Je m'appelle Apollo Justice, ravi de te rencontrer. Oui, on se de bon! Qu'est-ce que. En pleine face. C'est pour hein? Vu la monstre! T'es tout beau comme ça, Apollo. Ton front paraît un peu moins grand. Arg. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un talisman protecteur. Malvena en met sur tous les monstres qu'elle trouve. Ok, mais je ne suis pas un monstre. Tu aurais peut-être dû lui dire que tu es un gentil démon. Que je suis humain, tout simplement. Rouge, elle est sort des enfers. Super, alors que je me suis levé plus tôt exprès pour me coiffer. Je peux l'enlever maintenant? Pour me manger? Je vais pas te manger! Mais non, pas de moi, pour le double! Je sais pas quoi, je sais pas quoi les voit faire avec cette fille, pardon. Sérieux, sérieusement? Je sais, les voix graves féminins, je sais pas les faire. Ouais. En tout cas, si des vieilles personnes, ou personnes âgées, ou adultes. Mais pas d'ado, quoi. Je peux pas, là. Calme-toi. Calme un peu tes cordes vocales d'acier, Apollo. Tu lui fais chatrouille. La frose, pardon. T'en fais pas. J'ai le ventre plein. Tant mieux. Génial. Je suis entré dans son jeu. On peut même plus respecter le décor. Pas pour l'instant. Plus tard. Je voulais te parler du Valon de 9 queues. Youhou! Ah! Oh, de mon feu! C'est le démon! Elle t'a littéralement démonisé! tu sais ce que j'allais dire? Ouais. Bah, démonétisé. Hein? Non! Pas la démonétisation! Non! Au pire cauchemar! Aïe 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 aïe. Il finit par croire que je suis un vrai démon.
Pour moi, s'il te plaît. C'est une faux. J'ai à manger. Ça ne fonctionne pas. On ne serait rien d'elle sans lui avoir remis les pendules à l'heure. Il faudrait un truc qui prouve que t'es pas aussi terrifiant que ton air. Aïe, c'était pas nécessaire. Bon, je vais devoir lui présenter une preuve. Une preuve de mon humanité. Ouais, bon, on n'a pas 20 000 choses, hein, fait que... je vais te montrer ceci. Qu'est-ce que tu veux? Chaque réponse au papier, Zétine. C'est mon badge d'avocat, tu vois? Je suis pas un démon, je suis un avocat. Vraiment? Tu es avocat? Ça devrait te passer l'envie de me traiter de démon. Est-ce que ça te protège contre le jugement du roi témoin de mort? Qui c'est? J'ai vu quelque part qu'il était le seigneur des yokai qui juge les morts pour leur péché. Waouh! Voilà que maintenant elle te prend pour un avocat démon venu des enfers, Polo. Je pourrais pas redevenir un simple démon plutôt. Un avocat se mange un guacamole, Zétine. Je t'en prie. Je crois que c'est le coupé à histoire dans sa lancée, ce que ça nous dit. Étienne, va voir ailleurs si j'y suis. Ding. Si t'es pas content, t'as qu'à engager un avocat. Il dit ok. Engage Phoenix Wright, Étienne, défends-toi. Ou Apollo. Ou les deux. Je t'en prie. Ne me fais pas bouillir dans un chanteron. Quitte à choisir, je préfère un hammam. Ah, ma'am, on s'éloigne un peu du thème infernal, là. Ne t'inquiète pas, Malvena, c'est un gentil démon. Tu sauveras si tu es en danger. Oh, si je sens venir, ça va être une cliente. Bizarrement. Mais c'est l'avocat démon. Eh, pitié, je vous en supplie. Elle est trop dans son rôle. Ah, je te répète que je suis pas un démon. Vérité, tu mets. Ah! Je m'occuperai de ce roi démon, Edma. C'est pas génial, ma mère? Oui, pas de l'âme ne me ferait plus du tout, maintenant. Attends, qu'est-ce que ces deux jeunes filles que je suis un humain? Malvena m'a rapporté que ce village était l'épicentre de la foule des monstres. Oui. Avant, il n'y avait pas un chat, mais maintenant ça croule des touristes. Emma, la foule des monstres a donné naissance à ce festival? Il devait du conseiller. Mais si j'étais à ta place, je ferais attention. Il y a des tonnes de yokai qui rôdent en valeur de neuf que. Qui rôdent? Tu veux dire, comme des bêtes sauvages? Oui, des bêtes affamées. Des monstres mangeurs d'hommes. Non, c'est ça. Des monstres mangeurs d'hommes? Il y en a partout. Oui, d'ailleurs, j'en ai vu un au manoir hier. J'ai entendu la sonnette, mais lorsque j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne. Merde, Anto? Ouais. Etienne m'a trouvé. Il est dans ton chat? Ouais. Il te cherche ailleurs, il te cherche ailleurs. Ouais, sur le coup, Etienne, je te vire de là. Vraiment, j'attends une réponse après ça. Si il est pas bête. C'était le démon Ding Dong. Je ne vois pas d'autre explication. Le démon Ding Dong. quand j'étais gosse, on s'amusait à sonner à la porte des gens, on s'est caché. D'accord. Mais les yokai sont bien réels. Il y en a même dans le manoir. C'est qu'on en appelle ça au Québec, les autres sonner puis se cacher, comme ça. On a un nom pour ça. Dis ça, dis toujours. On s'appelle, ça s'appelle un sonne décrisse. Parce que tu sonnes, puis tu décrisses. Un peu vulgaire, par contre, comme nom. Ah, c'est clair. Oh, franchement. Et vous avez un nom quand vous faites choper? Non.
Pas de nom original pour ça. Dommage. Ouais, nous, on dit à la Capcom, on se dit qu'on se fait poigner, on dit pas qu'on se fait choper, mais je veux dire, c'est le principe. Le Taro, le démon Taro, Tenma, il est emprisonné dans la chambre interdite. Taro, Tenma, la chambre interdite? Ce Yukai est emprisonné dans le manoir, c'était vrai? Oui, c'est un démon super magnifique qui s'appelle Taro Tenma. Tiens, c'est pas chemin. Bon retour ici. Bah, il m'a pas balancé d'objection. Pour protester contre mon le fait que je l'ai viré. Taro Tenma, le monstre de mon représentant ici. Il est très très méchant et effrayant. Donc lui, le local est emprisonné dans la chambre interdite. Oui, le renard à neuf queues, gardien local du village, l'a vaincu. Il est enfermé, à tout jamais. C'est vrai que... Non, non, mais je me dis, en fait, elle est asiatique, mine de rien, on est d'accord? Sûrement. Je pourrais peut-être jouer un petit peu sur l'accent pour pouvoir interpréter le personnage à la rigueur. Si j'ai bien compris. Oui. Le problème, c'est que sous le coup, pardon, Anto. Objection, Etienne. Non, mais au moins, il a payé 500 points pour ça. Voilà, enfin, un peu d'utilisation de points. Mais je veux dire. Le problème, c'est que si je m'amuse à faire un doublage un peu cliché, on va me traiter de. C'est discriminatoire ou pas? Ouais, un peu, ouais. Ouais, on peut plus s'amuser au doublage aujourd'hui. C'est du doublage, merde. Si j'ai bien compris, Taro Tenma serait toujours enfermé dans la chambre interdite. Merci pour le petit café. Ah, à boire. Ah bah, et à la santé. Pardon. Ça fait du bien, merci. Oui, mais il attend le bon moment pour s'échapper. Enfin, je pense qu'on est en sécurité. Parce qu'il y a un talisman très très puissant qui va tirer la porte fermée. Un système de sécurité magique, on aura tout vu. Hey! Hey, Sig, are you doing? Hi everyone, hi readers, here, let me do a little shout out for Sig. Alright, so I'm doing a collab with one of my French friends today on like Saturday, so I'm gonna speak French a lot today, but still. yeah, wait, what were you doing, Sig, and Tosos? How are you doing? Oh, what's your stream? Alright, back to Merci en tout cas, Etienne, pour tout ça, pour le café, pour ça, right. Et pour à boire. Oh, merci, Malvena. Je l'offrirai peut-être à Monsieur Wright. Dis-moi, Malvena. Ces trucs sur ton front, ce sont aussi des talismans protecteurs. Oui, so, yeah, for everyone that's doing Mass Effect, for everyone that's coming from the raid, I'm into Mass. C'est pas qui me l'a dit, je l'ai porté. My main language is French, but I still stream in English sometimes. Like tomorrow, I'll be streaming in English with Bizu, like Terraria. So if you want to see me tomorrow, speak in English, come tomorrow. But yeah, usually I just switch between like French or English, whatever happens. But like right now I'm doing a collab with one of my French friends, so obviously I'll speak more French. But are you how's the game going? It's good, going good. We're like doing this, me and I saw every week usually. Et mauvais shows. Apollo, je te défends d'enlever les talismans de son front. Ils doivent rester là, pour toujours, ok? Qu'est-ce qui se passerait si je les retirais? Je dois retourner au travail. Merci pour l'invitation, Malvena. Je t'en prie. Oh, avant que j'oublie. Il va y avoir un événement surprise aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais ça devrait être amusant. J'espère que c'est pas une part de Yukai. Elle serait morte de peur. Ah
funny that you're playing Mass Effect see, because I'm pretty sure Terua started playing that too recently. Is that like a new edition that came out, like a legendary edition? Is that something that came out recently? C'est pas le moment de couper le son là. Wait. Ah, démon! I'm gonna talk early on too, I'm gonna give a lurk. My friend have a awesome say. Alright, thank you for the lurk! Mais c'est juste quelqu'un en costume, non? Have a good night, see. Lol. As long as she doesn't influence you to murder me and Goku's dog. Taro Tenma, le démon de la chambre interdite. Ne fais pas de mal, c'est pas un seul. Ah, la mortelle. Où tu sais bien, en courant. Mon talisman, tiens sur le paradis. Oh, elle l'a mis sur son front cette fois. Elle n'est pas très courageuse. Pourquoi se couvrait-il tout ce visage? Vous là, c'est interdit de regarder Taro Tenma, baissez les yeux! Si vous prenez pas garde, il volera votre âme! Ouais? Il volera mon âme, sérieusement? C'est diablerie, ça arrête ici, Taro Tenma! Quoi encore? Regarde Apollo, quelqu'un sur le toit? Ha 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 ha! Ce rire de truand, c'est un être! Le neuf qui honore sur le symbole de ma vertu inébranlable! Avec mes sens acolytes, nous bannirons le mal de cette ère! Je suis le catcheur de la vertu! Ya! Le seigneur de Radio Kai! L'incroyable neuf qui est arrivé! Il est grand, les enfants! Je vais terrasser Taro Tenma! Hourah! Hourah! C'est incroyable, neuf queues! Tu prépares encore un mauvais coup, Taro Tenma? Eh bien, pas tant que je serai là! Tu n'as plus rien à craindre, mon enfant! J'ai châti Taro Tenma! Ton peuple peut enfin vivre en paix! Merci, mais c'est incroyable neuf queues! Bon, il est temps pour moi de vous quitter! J'ai trois ennemis à vaincre! Hey, un catcheur! Ça m'avait pas manqué, bizarrement. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ce catcheur vient de chasser un yokai? On aurait dit qu'il venait du manoir du conseiller. C'est un incroyable neuf queues! Un catcheur professionnel au valeur de neuf queues! Mais personne ne connaît sa véritable identité! La Vena a l'air toute guillerette. Et comment ça il a châtié Taro Tenma? C'était l'exercice de yokai. Rituel annuel au cours duquel Taro Tenma est relâché pour nous rappeler sa malignité. À la fin, le renard neuf queues chasse Taro Tenma et purifie notre village. Mais c'est la preuve neuf queues aux personnes qui sont les chargées. C'était donc ça la surprise. Incroyable neuf queues et Taro Tenma, hein? Chacun son truc, je suppose. Oh, ça fait tort. Je dois retourner travailler. Excusez-moi. Il est très étrange. Je la trouve mignonne à sa façon. Mais c'est en vérité, je parie qu'elle a tout un tas d'amis mignons à leur façon. On a encore un peu de temps à tuer. Autant explorer le reste du vallon de neuf queues tant qu'on y est. On va s'amuser comme des petits fous. Des petits fous? J'ai entendu four, moi. Quoi? Non. Si. Il y a un petit son de R qui a traîné à la fin. J'ai acheté presque tous les souvenirs en rapport avec les yokai. Ça, je le sais, vu que je suis presque à sec. C'est quoi toute cette agitation? Hein? Hé, ce serait pas ton ami Malvena? J'espère que tu vas bien. C'était terrible! Du calme, Malvena, dis-nous ce qui s'est passé. C'était terrible! C'était terrible!
Il a tué le conseiller Kyabi. Quoi? Salut Thomas Tagoutet! Comment tu vas avec le stream? Bravo pour le first! C'est Taro Tenma qui l'a tué! Taro Tenma? Et si, si, je vais aller voir! Attends, s'il te plaît! Aïe! Tiens, attends, laisse-moi contre Taro Tenma! Il devrait te protéger! Mais fais attention! Le conseiller se trouve dans le salon du renard! Prends l'escalier principal! Ok, compris! Ok, compris, j'ai tout mis. Ouais, j'ai vu que t'étais mute. Que s'est-il passé? Qui êtes-vous? À l'aide! Que quelqu'un appelle les secours! Oui, c'est arrivé peu de temps après. Je suis ensuite retourné sur le site du festival. Apparemment, l'homme empalé sur la lance était déjà mort. Mais quelqu'un d'autre était sur les lieux et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Heureusement que l'autre homme est sain et sauf. Il avait simplement perdu connaissance. Tu penses que Malvena va s'en remettre? Je suis sûr qu'elle redeviendra elle-même très bientôt. Au moins, elle est suffisamment calme pour que la police puisse s'interroger. Moi, j'aimerais bien savoir quel animal a laissé toutes ses plumes et en première. Oh, voilà Malvena. Coucou, vérité. Coucou, parce que l'apocadémon. Salut, tu te sens mieux? Est-ce que tu pourrais nous raconter ce qui s'est passé? L'homme transperté par une lance était déjà mort alors. C'était le conseiller Kibi. Quand je l'ai trouvé, il était... La victime était le conseiller du village. Et l'homme encore vivant, qui est-ce? Damien Tenma. C'est le maire de la ville voisine, Tenma Ville. On l'a arrêté, c'est... Et donc, ce serait lui le tueur. Non, papa est innocent. Avec quelle expression vocabulaire prend son sens, Étienne? Papa, c'est ton père? En effet, le père de Malvena est aussi le maire de Tenvaville. Pas possible. Oh, si, c'est possible. Mais il a tué personne. C'est tout de suite plus délicat. La victime n'est autre que le conseil de Vallon de Neufqueux. Le père de Malvena, maire de Tenbaville, a été appréhendé pour son meurtre. Je pense qu'une enquête s'impose. Malvena, je sais que c'est dur, mais tu dois tenir bon. Je sais. Je vais essayer. Tu veux m'en dire plus sur la victime? Que peux-tu m'apprendre au sujet du conseiller? Il s'appelait Rex Kirby. Il raconte que sa famille est liée au légendaire renard à Neufqueux. Il était très gentil et toujours bien occupé de moi. C'était un ancien catcheur. Il paraît même qu'il connaissait la première Neufqueux. Ouais, un ancien catcheur. Je m'en souviendrai. Puisque ton père est le maire, je m'imagine que tu es originaire de Tenmaville. Pourquoi travailles-tu ici? Pour surmonter tes peurs, hein, Malvena? C'est ça. Et puis, maman venait du Vallon de Neufqueux. Mais elle nous a quittés. Elle adorait ses fleurs. J'ai toujours voulu vivre là où poussait le Niamon.
Oh, quel jeu de ça. Oh, quelle jolie fleur. Elle a plus de 9 pétales. Elle me donne du courage. Et même quand j'ai pas de yokai. Malvina, quand tu as appris la nouvelle, tu as dit que le tueur était un démon. Oui, le talisman protecteur sur la porte de la chambre interdite. Il a disparu. La porte de la chambre interdite? C'est une grande porte barricadée? Il n'y a aucun talisman dessus lorsque je l'ai inspecté, donc quelqu'un a dû le retirer. C'est comme ça que Taro Tenma s'est échappé. Oh, oh. J'ai du mal à me souvenir de ce qui s'est passé. Malvina, tu devrais aller te reposer. Tu en as bavé aujourd'hui. Un talisman protecteur retiré, des plumes noires et des empreintes étranges. Pour quelqu'un de superstitieux, il serait facile d'imaginer une explication surnaturelle. Apollo, c'était l'occasion que tu attendais. L'occasion de faire quoi? De faire ce qui est juste et défendre le père de Malvina. Qui, moi? Mais le maire Tenma devrait avoir des avocats plus chevronnés, non? Tu veux bien, tu veux savoir ce qu'on dit des inspecteurs? Après eux, aucun avocat ne réussira à l'innocenté. Ils s'attendent à une affaire vite résolue. T'inquiète pas, Malvina. Si quelqu'un peut prouver l'innocence de ton père, papa, c'est bien Polo. Qui est... Tu vas prendre en charge l'affaire, hein, Polo? Oh, tout est fini, hein? Je vais rester seul pour le restant de mes jours. C'est vrai, Malvina a déjà perdu sa mère. C'est d'accord. Malvina, je vais défendre ton père. Bravo, Polo. Il a aidé papa, l'avocat est mort. Ouais, c'est ce que font les avocats. Et je n'aurai plus à nettoyer les toilettes. Eh ben. J'ai fait ce qu'il faut pour qu'il retire la liberté de ton père. Merci, monsieur l'avocat est mort. Ça se voit que tu es ça gentil. D'habitude, les démons rouges sont très méchants. Ça fait longtemps, mais je vais m'en sortir. Justice sera rendue, quoi qu'il en coûte. Il faudrait que j'aille rencontrer mon nouveau client. Ah! Avant que j'oublie, je serais mieux de noter ça dans mon carnet. Apollo, à quoi il te sert ce carnet? Oh, je sais écrire quelques notes pour plus tard. Pour ne pas les perdre, je vais ranger ces notes dans le dossier de l'affaire. C'est comme une liste de choses à faire. Oh, c'est pratique ça. Pour les mes notes, je dois ouvrir le dossier de l'affaire avec RB. Ouais, ça c'est un peu plus ce qu'il faut que tu fasses si jamais on est bloqué ou quelque chose. Je te dis un peu où aller, quoi faire. Ensuite, je peux changer d'onglet avec LBRB. Oh, j'ai failli oublier. À propos du père de Malvina. Même si te paraît effrayant, tu ne dois surtout pas t'enfuir. Quoi? Son regard, moi, est capable de te paralyser, de te rendre. Certains disent qu'ils peuvent même tirer des rayons laser avec ses yeux. Bon, papa ne fait pas aussi peur. Un regard paralysant, des rayons laser qui sortent des yeux, on dirait un monstre. Je vais te dire au revoir à Malvina, je retournerai à l'agence quand j'aurai terminé. D'accord, merci. Ah, pile aux heures de visite. J'arrive au bon moment. J'espère qu'il n'est pas si frais, hein. Qui êtes-vous? Vous êtes bien Damien Tenma? Non, si je dis cette voix-là, ça fait trop penser au juge. Franchement, un truc. Qui êtes-vous? Ah, comme ça, c'est-à-dire. Enfin, comme ça.
Je suis Apollo Justice, avocat de la défense. Je suis venu vous aider. Ah! Sortez-moi de là. Désolé, il m'arrive de parler un peu fort. Quelle indélicatesse! Mais excusez-moi, je ne voulais pas vous vexer. Un visiteur, alors que tous les autres me tournent le dos comme si j'étais un vulgaire criminel. Je n'ai rien à vous offrir. Je suis le parangon de la politesse. Alors, il n'est pas fâché contre moi. Moi, la digne Damien Tenma, je vais défoncer ces murs. Avant d'offrir à mon bienfaiteur du thé et quelques biscuits. Attendez un peu, nous prendrons le thé une fois que votre innocence prouvée. Vous voulez pas plutôt commencer par me raconter ce qui s'est passé? Pardon. En plein pendant que tu parlais en même temps. C'est vrai. Il faudra patienter un peu pour le thé et les biscuits, alors. C'était moi, je... Mieux vaut ne pas ajouter tentative d'évasion à la liste d'accusations. C'est un shit type, mais je comprends pourquoi sa tête peut prêter à confusion. Monsieur Tenma, puis-je vous demander pourquoi vous avez été arrêté? Quoi? Excusez-moi, je suppose qu'il y a certains sujets qui fâchent. Pardon? C'est-à-dire qu'une personnalité publique telle que moi puisse être traitée de la sorte. Jamais mon arrestation n'aurait dû s'en reprendre. Continuez. Que vont donc penser les jeunes? Je n'ai pas le choix. Je dois partir immédiatement afin de protéger la force morale de la jeunesse. Non, attendez! Vous pourrez protéger la force morale des jeunes quand je vous aurai acquitté. Mais t'as raison, je sais plus le troisième. Si, on a failli donner des frères aux jeunes. Les empreintes se trouvaient sur l'arme qui a tué le conseiller Kyobi. Voilà pourquoi on m'a arrêté. Vos empreintes étaient sur l'arme du crime? C'est jamais bon ça. Savez-vous comment ils se sont retrouvés là? Aucune idée. Voyez-vous, je n'ai aucun souvenir des événements. J'ai profondément endormi à ce moment-là. J'imagine que quelqu'un m'a donné des insomnifères. Qui plus est, j'ai aussi été frappé à la tête. Je vois. Un sommeil artificiel et un coup à la tête. Pas étonnant que vous ne souvenez de rien. Ah! Hein? C'était quoi, un rire? Nous pouvons en déduire que... Nous pouvons en déduire que les empreintes ont été placées pendant votre sommeil. D'après la police, quel pourrait être votre mobile? En vérité, il y a eu quelques accrochages entre le conseiller et moi dernièrement. Oh? Les accrochages d'autre personnel? Non, rien de tel. C'est une longue histoire. Disons que je fusionnais le Vallon des Neuf Queues avec Thémaville. C'est immédiatement le Vallon des Neuf Queues à Thémaville! Oulala! Voilà ce que je lui ai dit. J'aimerais bien vous dire d'arrêter de crier, mais j'ai des chocottes. Alors, c'est ça le mobile établi par la police pour le meurtre du conseiller? C'est la même. Prétend, le conseiller Kyobi s'opposait farouchement à la fusion municipale. Et c'est pour ça qu'il pensait qu'il l'avait tué. Il vous gênait. Ah! Malédiction! Monsieur Tenma, est-ce que ça va? Malveillard, pardonne-moi. Je n'ai jamais voulu t'inquiéter comme ça. Tout va bien se passer, je m'occupe de tout. Plus facile à dire qu'à faire. Je ne sais même pas par où commencer. Merci de m'avoir reçu, monsieur le maire. Un instant. Ma fille, Valménard. Oui. Elle a perdu sa mère. Et maintenant que je suis retenu ici, je crains qu'elle se rende obligatoirement sale. Ça me gêne de le demander, mais... Je vous en supplie, occupez-vous d'elle. Et je m'en charge. Avec vérité, nous verrons sur votre fille. Vous m'envoyez soulager. Vous ne faites pas un peu penser aux nouveaux amis dont ma Venom a parlé.
De nouveaux amis? Ouais, elle s'est fait de nouveaux amis depuis qu'elle travaille au Vallon des 9-4. Sois ça typique. Il y a une dame au très long cou. Un jeune homme avec une langue interminable et bien d'autres personnages captivants. Des amis? Moi, ça m'a tout l'air d'être des monstres. Si vous voulez bien m'excuser, notre temps semble être écoulé. Phew, je suis super fatigué, la journée était plus tendue que prévu. En tout cas, je suis content qu'il ne soit pas aussi effrayant qu'il en a l'air. Un appel? Oh, c'est Monsieur Wright. Justice à l'appareil. Oh, sérieux, c'est moi. Allô, Apollo? Oh non, mon de Dieu. Sérieusement, Anto? Bonjour, Monsieur Wright, que puis-je pour vous? Vérité m'a dit que tu as pris en charge une nouvelle affaire. Oui, c'était un peu sur un coup de tête. Il m'appelle moi pour parler d'une affaire? Ça me va, mais j'ai un service à te demander. Bien sûr, qu'est-ce que je dois faire? Je suis à l'aéroport, j'avais rendez-vous avec quelqu'un. Une petite nouvelle qui va intégrer le cabinet. Elle s'appelle Athena Sight et vient tout juste de réussir l'examen du barreau. Ah oui, j'ai entendu dire qu'elle allait nous rejoindre. Elle est donc arrivée aujourd'hui. Elle a pris l'avion dès que je lui ai dit que tu avais besoin d'aide pour une affaire. Elle pouvait l'arrêter. Attendez, quoi? Où est-elle en ce moment? Sûrement quelque part au Vallon de 9-queue. Je reviens au service dont je t'ai parlé. Tu dois aller la retrouver. Mais je ne l'ai jamais vue. À quoi elle ressemble? Elle porte un costume jaune et un badge d'avocat. D'accord, je la trouverai. Nouvelle recrue dans l'agence. Pardon. Allez, je dois vite retourner au Vallon de 9-queue. J'essaie de me retenir le plus longtemps possible, Anto, je voulais pas t'attendre. Anto, je veux excuse-le, c'est moi, là. Je vous le répète, je suis une avocate sur cette affaire. Je dois examiner la scène du crime, alors dites-moi où se trouve le manoir Kyuubi. Ne me prends pas pour une imbécile. C'est rien qu'une lycéenne qui sache le cours. Espèce de grosse tête de mule. Ce page d'avocat n'est pas là pour décorer, vous savez. Bingo, j'ai trouvé Mademoiselle Athena Sykes. Pourquoi vous ne croyez pas? Je vous défendrai pas si jamais vous vous faites arrêter. Bah, c'est moi qui arrête les gens d'habitude. Écoute, tu devrais retourner en cours, non? Je vous ai dit que j'étais avocate, pas lycéenne. Ça suffit. Puisque tu veux rien écouter, je t'emmène au poste. Ah! Pas les pattes! Waouh, jolie prise. Qu'est-ce que... Ha 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 ha! Anto? Aïe. Pas trop mal? Arc! Vous pourriez pas faire un peu attention aux autres? Oups, ça va? Bah alors, putain. Je crois, oui. On peut pas en dire autant de ce policier. Désolé. Je fais ça quand les gens me touchent sans prévenir, c'est une sorte de réflexe. Un réflexe? On aurait plutôt dit une attaque, oui. Vous êtes Athena Sykes, je présume. C'est exact, et vous êtes? Je m'appelle Apollo Justice, je travaille à l'agence à Too Far Right.
La chance à tout faire right. C'est louche comme nom. C'est une longue histoire, mais c'est entre autres un cabinet d'avocat. Monsieur Wright ne vous a rien expliqué? Ah oui, Monsieur Wright, alors vous devez être... Mais où étais-tu? Je t'ai cherché partout. Et je pourrais lui dire la même chose. Eh bien, me voilà. Bon, parle-moi un peu de toi. Monsieur Wright ne m'a pas dit grand-chose, comme d'hab. Ah, ok. Que veux-tu savoir? Alors, Athéna, j'entends-tu dire que tu venais de réussir l'examen du barreau? C'est exact. Et voici mon nouveau badge pour le prouver. Il est beau, hein? Oh, du coup, tu dois être un peu plus jeune que moi. Hé hé! Un peu plus jeune que tu ne le penses. J'ai 18 ans! 18 ans? Comment tu as fait pour devenir avocate aussitôt? J'ai sauté quelques classes quand j'étais étudiante aux États-Unis. C'est là-bas que j'ai passé l'examen du barreau. J'avoue que tu m'impressionnes. Elle doit être super intelligente. J'ai aussi utilisé la psychologie analytique pour devenir une meilleure avocate. La psychologie permet de devenir un meilleur avocat? Ça marche comment, Wius? Bon, parle-moi de notre client. Comment est-il? Ah oui, tu ne l'as pas encore vu. Eh bien... Voilà, je pense que j'ai bien résumé la situation. Il s'inquiète plus pour sa fille que pour lui. Quel père merveilleux. Sniff. Sniff? Oui, bon, c'est... Mais si je fais le son du sniff, genre dans la vraie vie, mon micro va pas le capter, donc... Ça marche comme ça, non? Attends, tu pleures? Je ne pleure pas, j'avais un truc dans l'œil, c'est tout. On appelle ça des larmes. Bon, passons. Mettons-nous au travail. Aider notre client est la priorité absolue. En fait, Athéna, tu as parlé de psychologie? Ouais, j'ai toujours voulu utiliser la psychologie analytique pendant le procès. C'est trop triste. Le pouvoir de la psychologie apportera une bouffée d'oxygène au système judiciaire. Ah non, c'est ça. D'accord. Oh, vraiment? Comment vas-tu t'en servir pour défendre notre client? Des claviers, oui. Par exemple, je pourrais essayer d'écouter la voix intérieure d'un témoin. Puis analyser son état émotionnel à l'aide de mon partenaire Piplette. Piplette? C'est le petit appareil que j'ai autour du cou. Dis bonjour, Piplette. Bonjour, Piplette. Bonjour. Tu fais aussi Piplette, alors? Oui. D'accord. Ça parle? Ah, il te faudrait un bouton de volume. Bref, ce petit bavard dit parfois ce que je pense. C'est gênant. J'adore ta voix de robot. Ne t'inquiète pas, tu t'y feras. Ça, j'en doute fort. Oh, j'ai failli oublier. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Je l'ai trouvé en chemin. Tu penses que c'est à notre affaire? Une édition spéciale sur notre affaire? Il ne perd pas de temps, dis donc. C'est le principe des éditions spéciales, non? Annoncer les scoops en exclu, rapido! Ouais, voyons ce qui est écrit. Pourquoi est-ce qu'elle parle espagnol? Ah, pas que. Quel pipelette, c'est ça. Tarotelma a été aperçue... Quoi? Elle a été aperçue dans les airs? Oui, quelqu'un a pris cette photo près du vallon de 9 queues. Je pense que cet article est bel et bien lié à notre affaire. Cette photo a été prise juste après le meurtre. Bah, il y avait des plumes noires et des empreintes bizarres sur le lieu du crime. Ça ne me surprend pas que les habitants soupçonnent un yokai. Attends, par yokai, tu entends un de ces monstres japonais? Oh my god! Tu ne crois quand même pas que c'était un meurtre surnaturel, si? Ah! Non, pas du tout, voyons. Combien de langues elle parle, au juste? Andale, Apollo, allons inspecter cette scène de crime. J'espère que j'ai prononcé comme il faut. Arriba, arriba, andale, andale. C'est qui disait ça?
Ouais, Athéna, elle parle beaucoup de langues. Non, mais... il y a un personnage... Ouais, c'est dans... Bugs Bunny, entre guillemets, là, c'est pas Speedy Gonzalez. Ouais, bien vu, c'est Speedy Gonzalez. Assurez les plus rapides de tomber, t'es car. Arriba, andale. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va enquêter sur les lieux du crime, pardi. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Le dernier arrivé a un gage. On n'est vraiment pas obligé de courir. Bon, une petite marche rapide sinon. Pourquoi vouloir à tout prix faire une compétition? Bon, avec Apollo et Athéna du coup en deuxième perso, je vais beaucoup parler, hein. Ouais, bon, c'est bien, ça va me reposer, hein. Parce que je suis pas en forme, moi, aujourd'hui, hein, je vous le dis. Vous avez remarqué, je somnole un peu. Ouais, bah... Et je sais que j'ai plus de café. Ah! J'ai plus que 10 VK. On a rien à présenter, hein, d'accord? Non. Après, sur le coup, Anto, tu me permets 2 minutes, je me prépare un DK justement. Une petite boisson chaude me fera du bien. De toute façon, j'écrivais quelqu'un la réponse. Aïe. Ah, je vais couper le micro, pardon. Les hydrates, merci. Voilà. En plus, justement, vu que j'irai pas te faire attirer tout ça, même si le reste va pas du mieux. Ben, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Fatigué. Il est sûrement, alright. Allez, on se dit. Voilà. Bon, moi en vrai, il faudrait que j'aille aux toilettes. Fait que pendant que la story est partie, je vais aller aux toilettes. Je vais écrire rapido que je suis en pause. Je reviens, ça sera pas long.
Ah ouais, je suis de retour. On est de retour. On est de retour. Allez, let's go. Tu entends? On dirait une télévision. Oh, regarde! Il y a une télévision dans cette petite pièce. Sans transition, le mystérieux catcheur masqué, l'incroyable neuf que aurait disparu d'après des sources proches du catcheur. Il se serait volatilisé peu de temps après l'événement spécial au vallon des neuf que. De plus, il ne s'est pas présenté au match au cours duquel il devait défendre son titre. Selon les villageois, sa disparition serait liée à l'évasion de Taro Tenma. Alors ce catcheur est disparu. Bon, ok, voyons voir. On dirait qu'il parle encore un Québécois légèrement, lui. Hein? Mais son accent, la façon qu'il parle. Hey, vous autres, y'a rien à faire, c'est. Hey, vous autres, y'a rien à faire, pas ici. Qui? Je peux pas faire des cris. Ne vous inquiétez pas, nous ne faisons rien de mal. Allez, quoi dans votre tête, là? On est à trop, je vous ai volé mon avis. Corne, ce sont mes cheveux. Mais enfin, nous sommes avocats et... Hein? Mais c'est là que vous allez faire l'affaire de Tenma? J'ai pas raison? J'aurais pas douté quand j'ai fait votre rebattre le chéron. Arsène Loupé, à votre service. Pardon. Ouais. C'était quoi son nom en anglais à lui? Ah, je sais plus. Ouais, fais un effort, on te recherche les noms là, on se marre. Parce que Arsène Loupé, mais sérieusement. Il va le voir. On est d'accord. C'est un clin d'œil à Arsène Lupin, mais en version Loupé. Ouais. C'est ce que je veux dire. Mais t'as vu? Eh, c'est ce qu'il loupait chez lui, Anto? Quoi? Son nez. Bah, c'est vrai, quoi. Je suis le concierge ici, ramène pas votre connaissance. enchanté. Il a vite changé son fusil d'épaule, dis donc. Alors, l'avocat des morts, j'espère que vous utilisez vos cordes démoniaques pour faire un capitage sur le témoin, hein? C'est pas là, mon petit démon cordé! Oui! Mais il a pris le bracelet, ce couillon! C'est à moi. Quoi? C'est corne, mes cheveux ne servent pas à menacer les gens. Ah? Si vous voulez mon avis, vous gaspillez vos belles cornes, hein. Mais c'est pour vos oignons. Pour mes oignons. Phew! C'est rapide, je dois en avoir fini avec moi. Bon allez, je retourne au boulot. Putain, il a volé le bracelet. Arrêtez, ne bougez plus! Qui est moi? Apollo, ton bracelet a disparu! Ah! Ne faites pas, monsieur le bien avocat, je la trouverai, votre bracelet! Je pense que vous l'avez déjà trouvé. Regardez votre poignet. Ah! Mais il a pris la main dans le sac! C'est plutôt le sac qui était sur la main, là. Pour une tentative de vol, c'est loupé. Désolé, je fais vraiment... Bon, désolé. Je peux plus mentir, vous ne voulez pas entier. C'est un kleptomane. Oui. Oh, les kleptomanes, quelle horreur. Ah! Eh oh! Ah, elle tombe pas, t'es comme ça, il me fait peur, là. Eh? Si j'ai mis son nom anglais... J'ai mis son nom en anglais, c'était Phineas Filch. Phineas Filch. Oh, je vois le rapport. Oh, les bazars. Il y a un beau clin d'œil aussi, hein, en anglais. C'est pas mal. On est d'accord.
Tu vois, bah, hey, Arsène loupé, Phileas Fitch, CQFD, on est d'accord? Ouais. Oh, ouais. À toi. Qu'est-ce qu'on fait, Apollo? Bah, j'ai récupéré mon bracelet, il a l'air sincèrement désolé, alors... Allez, vous comprenez, monsieur petit avocat, vous êtes bon pour vous apporter, hein. Vous êtes à quel point votre portefeuille est rempli de pifetons, hé, hey, pas de touche à mon portefeuille. Oh, oh. Hé, hey, vous venez de vous excuser de nous avoir volé. Chauffez-le, je prends la clé des champs. Revenez ici. Il s'est enfui comme un voleur. Bah, c'est un voleur. Oui. Bah, en tout. Il a fait tomber des trucs. Je montrais des plans. Voilà celui de la scène du de crime. Et... Ouais, attends, je suis perdu ce second. Voyez celui de la scène de crime et là, celui de l'entrée. Il avait oublié ses chaussures. Oh, encore une histoire de chaussures. J'en avais assez déjà que l'affaire à la roulotte. Ce type est un véritable empoté. Gardons ses chaussures, on lui rendra la prochaine fois qu'on le verra. Quant au plan, je serais ravi de les conserver. On dirait des plans élaborés par la police. Je me demande où le concierge les a trouvés. Ok, je me rappelle que... On en profite pour regarder un petit peu quand même. L'entrée, considération, salon du renard, chambre interdite. Le téléphone par là, ok. Ça c'est... Point de l'entrée, conciergerie TV. Ok, alors que l'escalier par rapport au plan. Ok, c'est ça. Est-ce que ça c'est le premier étage? Okay. Non, je crois que c'est le deuxième, c'est celui en haut des marches. Attends, bah, là, tu vois l'escalier l'entrée... Qui vole. Ouais, tu vois l'escalier qui vole, il monte en haut, puis en haut, c'est l'étage avec le truc. Oui, donc au rez-de-chaussée, puis premier étage. Ok, ouais. Non, c'est vrai qu'il y a une différence culturelle entre la façon de voir le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Sous nous, le premier étage, c'est pour vous votre deuxième niveau. C'est pour ça. Ouais, je veux dire, dans les hôtels et tout, c'est quand même rez-de-chaussée, premier et tout, mais moi, dans ma tête, je sais pas, ça fait pas de sens. Ouais, mais ça fait du sens. Moi, dans ma tête, quand je pense au premier étage, je pense à genre l'entrée, tu sais. Même c'est si bizarre pour vous, le rez-de-chaussée, c'est le premier niveau, c'est pour ça. Donc, mais... Sur le coup, nous, si on a qualifié le rez-de-chaussée de niveau, on appellera ça le niveau 0. C'est ça le truc. Quand on est dans les ascenseurs, on choisit quel étage, qu'on veut mettre des fois sur les boutons d'ascenseur, c'est RDC pour rez-de-chaussée ou 0, ouais. Parce qu'on comprend dans cette niveau que c'est pour le rez-de-chaussée. C'est comme ça que ça marche. C'était la des 3 minutes de culture. Change culturelle, voilà. Du live. Ouais, et j'espère que après cette session-là, tu me renverras à l'ascenseur, Anto. Ouais, c'est pas que je fasse. Pas que je fasse, celle-là. Tu veux, je t'enverrai dans l'ascenseur de choc là, pour son concept, là. Quand il s'en mettra à streamer. Quoi? Oui, il avait fait un truc, je sais plus comment il avait appelé, c'est quelque chose d'ascenseur, là, où on avait une discussion d'ascenseur, c'est ça. Oui. Ah, c'est pas oui, je vais le dire, pas mal celle-là. On parle sur son stream pendant le bout, j'étais le premier invité. Il y avait aussi Arbafio qui avait fait. Ouais. Il avait passé, il me semble. Ouais. Là, du coup, il stream pas en ce moment. Fait que... Le salon du renard se trouve tout en haut de l'escalier. Quoi? D'où viennent toutes ces plumes noires et ces curieuses empreintes? Les gens d'ici semblent croire qu'elles appartiennent à Taro Tenma. Ça voudrait dire que le grand démon est de retour? Si c'était vrai et que je voulais l'inculper, le tribunal ne me prendrait jamais au sérieux. On a affaire à la police. Emma Sky? Non. Elle, je crois pas qu'on la revoit. Est-ce qu'on la revoit maintenant? Je sais plus. En tout cas, je sais que c'est pas elle.
C'est qui? C'est un mec. C'est qui je pense, c'est un mec. Je suis pas mal sûr que c'est lui. Ouais. On va le revoir, lui. Oula. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? C'est tout ça, le crime. Et vous, alors? Qui êtes-vous? Vous êtes de la police? J'ai entendu son nom français. Je demandais en premier. Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Tout compte fait. Je vous arrête pour compromission de la scène de crime. Ah, comment ça? Mais... Je vous expliquerai ça à mes collègues au commissariat. Allez, suivez-moi en silence. Je ne veux pas être en retard pour le déjeuner. Mais enfin, attendez, nous sommes les avocats du maire Tedman. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Vous devrez être les avocats dont j'entends parler. J'ai failli vous emmener au poste. Il faut dire que vous avez l'air suspect. Et qu'est-ce qu'on a fait de mal aujourd'hui? Désolé, vous voulez bien me rappeler votre nom? J'ai l'impression que cette enquête est bourrée de jeux de mots à la con. Si je me souviens bien, je suis pas 100% sûr, je vais double-check pour essayer de poser connaître. Ouais, attends, c'est quoi son nom en anglais? Va rechercher, vas-y, voilà. Je suis pas sûr que je m'en rappelle, mais je vais double-check. Check ça, s'il te plaît. Yeah, Bobby Fulbright. Donc le brillant Fulbright et le coup, on garde ce côté-là quand même. Juste un brillant, juste et brillant. Mon nom, c'est Justin Brillant, l'inspecteur héroïque qui protège les jeunes, les bonnes gens contre le mal. Les champions de la justice qui volent à votre secours. On dirait la tête de catcheur, tu trouves pas? Vous voulez savoir ma devise? La justice prévaudra. Aïe aïe aïe, c'était un sacré numéro. Bon. Que puis-je faire pour vous? Et on va le revoir pas mal, lui, fais prépare-toi, c'est un peu le nouveau texif pour un moment. Eh bien, est-ce que... C'est le logo? Un coup d'œil? Eh, franchement, il va me faire regretter le détective, hein. Il fait un quoi? Pardon. Il va me faire regretter détective. Détective, au moins, il a une bonne tête. Lui, il a... Quoi, il a pas une bonne tête. Extravagant. Ouais. Plus personne porte ce genre de veste en plus. Et en plus, après, on voit sa chemise rouge là, ses rayures, et le cravate comme ça. Ça va pas du tout ensemble avec la veste. C'est dégueulasse. C'est vrai quoi. Absolument pas! Vous n'êtes pas autorisé à vous approcher de la scène de crime. Je peux pas faire une exception? Halte là, mec! Vous aurez affaire à... Ah, au secours! Est-ce qu'il va sortir son... La justice prévaudra! Non. C'est moi ou... c'est une illusion d'image, excusez-moi. Anto. Ouais. On est d'accord. Ses dents. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont ses dents? Tu distingues bien des dents. Oui. Pour toi, on est d'accord. Pour toi, ce sont des dents. Oui. Qu'est-ce que t'as vu, toi? Non, mais comme c'est pas dessiné, c'est pas détaillé, le truc. J'ai l'impression que c'est un grand morceau uni, un truc là, comme ça. Pour ma part, j'ai l'impression de voir une bouche de macaque d'un singe. Ok. On est d'accord? Je sais pas, je vois pas trop. Ça le rend complètement con. Mais je le trouve con, comme ça, moche. Oh là là.
Pour entendre ça avec cette tête-là. C'est vrai, quoi. Eh ben, moi, je vais appeler le singe. C'est bon. Son nom, pour moi, c'est le singe. Ouf, c'est avec son badge. Vous savez, pour être les avocats du maire Tenma, il vous faut une autorisation pour passer. Apollo, essayons de le faire changer d'avis. Bonne chance, tu me raconteras. Je parie qu'il est du genre borné. Vous perdez votre temps. Personne ne passera sans autorisation. Je suis un mur de justice qui tient distance à justice. En l'occurrence, vous. Je le savais. Écoutez, il n'y a que vous et nous ici, pas vrai? La justice et moi, vous voulez dire. C'est exact. La justice que la justice... Si vous que la justice et moi ne faisons pas le poids contre vous. Pardon? Si ça avait qu'il s'appelait justice. Pas du tout, enfin. On dit simplement que vous influez sur notre quête de justice. Non, c'est impossible. J'ai mis au dos du mur, Adana. Si nous étions du côté de la justice, nous laisseriez-vous passer? Ne laisseriez la scène de crime. C'est partie de la justice. C'est pas faux. Mais seuls les méchants feraient obstacle à la justice, non? Ah, ouais, d'accord qu'il y a une souris qui a la souris, il faut mon coup. Quelle justice serait la plus juste? Il ne peut y avoir de procès juste équitable sans enquête approfondie, alors. Oh, ta justice, que dois-je faire? Je crois qu'on l'a eu. Ouais, elle est vraiment névrosée pour un champion de la justice. Notre plaidoyer pour la justice est du farmouche, il est tout chamboulé. Profitons-en pour examiner les lieux. Finalement, on s'en est sorti super facilement avec toute cette histoire d'autorisation. Dois-je juste arrêter ou le laisser passer? Quelle justice est la plus juste? Bon, let's get au travail! Allez, on fait du franglais maintenant. On est censé trouver des indices liés au crime, pas vrai? Let's get? Ça se dit? Let's get. C'est en anglais. Let's get? Ça se dit, get? Yeah, let's get to work. Ah! Alright! Pardon. Maintenant, nous, si on a utilisé des termes anglais pour dire on y va, on fait let's go, tout simplement. Ouais. Par exemple, on n'aurait pas besoin de dire to work. Dans l'autre sens, c'est dit on y va, let's go. Bah ouais, bah on peut dire let's go aussi en anglais, mais... Ouais, mais nous, sur le coup, on va prendre... Parce qu'elle est le dit genre, littéralement. Non, bah là, sur le coup, vous rajoutez let's get to work, pas pour préciser le travail, mais nous, par rapport à ça, on s'en sert pour plein de choses, dont le travail, c'est pour ça. Oui, en inspectant les lieux, on devrait trouver des preuves à utiliser lors du procès. Essayons d'examiner la scène sous différents angles. On pourrait trouver des indices cachés. On déplace le curseur avec le joystick gauche. Et on change de perspective avec le joystick droit. Examiner un endroit spécifique, il suffit de le toucher. Ok, on va fouiller cette scène de fond en comble. C'est parti, beau kiki! Vamos! Vamos a la playa! La 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 la! À chaque fois que je vois ces mots-là dans que je parle pas, j'espère que je le prononce comme il faut. Ok, on a un secteur sous 360 degrés maintenant. Ouais. Il voit une lance, mais ça c'est quoi? Une sorte de pince géante? Ça pourrait être l'arme d'un démon. J'ai déjà vu ça dans un manga. Ah bon? À quoi elle sert alors? Oh, tu sais, à faire des trous dans les joues. Berk! Arracher des langues. Stop, stop! Oh, et tu devrais voir ce qu'elle peut faire aux yeux. C'est bon, j'ai compris. Moi, je pense que ce truc n'est qu'un vulgaire ouvre-boîte. Les démons mangent des conserves? Je me demande bien ce qu'ils mangent à part des gens.
Rien d'intéressant de ce côté. J'irai examiner l'autre côté. Oh! Cette statue n'a qu'une seule queue! C'est peut-être l'ami du renard à neuf queues. Je parie que le nombre de queues est proportionnel au pouvoir d'un yokai. Donc, si tu en avais deux, Apollo, je n'en aurais qu'une? Quoi? Mais ça ne veut pas dire que tu es plus fort que moi, ok? Mais de quoi tu parles? Les cheveux. Oui. Ou de cornes. En guillemets. Il y a quelque chose sur ce fauteuil. Je vais essayer de le soulever le pied et... Oh, moi je plais! Ah! On ne touche pas au lieu du crime, même si vous êtes des avocats des maires. Il n'y a pas tort. Inspecteur, êtes-vous courant de l'agression dans la ruelle des yokai? Un étrange yokai qui ressemble à un bout de tissu assaillé une vieille dame. Et vous le prenez comme maintenant? Je ne sais pas, la chose serait trop droit. Athéna. Un vrai jeu d'enfant, Apollo. On va pouvoir fouiner un peu plus. Plus j'apprends à la connaître et plus elle m'effraie. Avec elle, mieux vaut rester discret. Le truc est coincé. C'est un tissu taché de sang. Il paraît que c'est celui du conseiller, mais il est assez loin du corps. Je me demande ce qu'il fait là. Pourquoi est-ce que ça me semble important? C'est donc ici que le corps du conseiller Kyuubi a été retrouvé. Sur l'arme du crime, une lance se trouvait les empreintes du maire Tenma. Et pas bon du tout. Ne paniquez pas, ne paniquez pas, paniquez pas. L'inspecteur Brillant est là. Ah! Évidemment, je ne peux pas vous donner d'informations sur mon enquête. Alors, au nom de la justice, je vous dis au revoir. C'est quoi son problème, Ous? Il est tellement brillant que quand il se regarde dans un miroir, il voit que la lumière blanche qui l'aveugle. Mais d'accord? Oui. La chambre interdite. Apparemment, le démon Tarotelma a été emprisonné ici avant son évasion. Tu penses qu'on arriverait à ouvrir cette porte? On peut toujours essayer. Ça ne marche pas. C'est solidement fermé. Je vois pas de serrure. C'est sans espoir. La justice prendra. Ah! Oh, j'ai entendu quelqu'un appeler à l'aide. Je vais vous mettre au parfum. Cette porte ne s'ouvre tout bonnement pas. Nous avons tous essayé. D'ici. Mais ne bouge pas d'Aliota. Et comme c'est un héritage culturel important du manoir, hors de question de la faire exploser. Une porte impossible à ouvrir. Génial. La promoiselle Malvena Tenma, elle était solidement fermée à son arrivée sur le lieu. Merci pour l'info, inspecteur Brillant. Vous êtes très serviable. Ah! Oubliez ce que j'ai dit! La chambre interdite était donc fermée au moment des faits. Je serais mieux de m'en souvenir. Il est très intéressant ici. Oh, ce fauteuil a l'air hors de prix! C'est ici que le maire a été retrouvé inconscient. Ah bon? Quand il est revenu à lui, on l'a arrêté pour meurtre. Un réveil des plus brutaux. Il est le suspect numéro un d'un crime dont on ignore tout. Ça craint. Oh, pauvre monsieur Tenma. Il doit y avoir si peur et se sentir complètement perdu. Hein? Apollo, il faut le sauver. Cette fille est un véritable ascenseur émotionnel. Sinon, les plumes à terre. Hein? Ah, je crois que c'est parti de la table. Lesquels j'ai laissé ces étranges empreintes après avoir marché dans le sang du conseiller? La tueur les a peut-être laissées par mes gardes pendant sa fuite? Ce sont de grosses empreintes, semblables à celles d'un oiseau. Les plumes font aussi penser ça.
Et vu leur taille, ce ne sont pas celles d'un petit pinson tout mignon. Nah, on dirait celle d'un gigantesque oiseau mutant. Je pense qu'un oiseau mutant géant assassine Conseil Kyuubi avec une lance. C'est bien plus plausible qu'un monstre ou un yokai. J'ai de casser ton délire, mais un oiseau géant avec une lance, c'est bien un monstre. Regarde, un chat avec deux queues. Ça n'existe pas. Oh, cette dame a un très long cou. Ah, c'est rigolo. Une créature comme ça ne pourrait jamais voir le jour. Elle aurait du mal à manger. Apollo, je suis sûr que quand tu étais enfant, tu ne croyais pas au Père Noël. Tu ne vois pas le rapport. Ça alors, tes trophées. Oh, celui-ci a été décerné au conseiller Kyuubi. L'incroyable 9Q, vainqueur de la division de yokai, tournoi de cash de Tenmaville. La division des yokai? Je dirais qu'il peut y avoir une division d'une seule personne. Tu devrais participer au tournoi la prochaine fois, Apollo. J'ai le son parfait pour toi. L'exalté mystérieux. Un gentil avocat masqué de jour, qui se transforme en catcheur démoniaque masqué de nuit. Personne n'embaucherait un avocat masqué, Athena. La statue ne te fait pas penser au concierge du manoir, Arsène Loupet. Ce truc qui ressemble à un raton laveur, c'est vrai que ça lui ressemble. Oh, j'ai d'avoir une idée géniale. Fais-la tomber, et pouf, elle se transformera en Monsieur Loupet. Ce Monsieur Loupet a l'air malicieux, pas magicien, je sais. J'ai gâché mon idée de génie, Apollo. Une bouche d'aération. Elle est vraiment haute. Et si on prenait de l'élan avant de sauter? Je pense que même un spécialiste du saut en hauteur n'y arriverait pas. Mais on peut toujours essayer! En plus, je saute très bien. Peut-être, mais elle est presque à 3 mètres de haut. Je me répète, mais tu ne seras pas avant d'avoir essayé, Mister Justice. Elle est impitoyable et enchaîne les mots étrangers. Apollo, à quoi t'as fait penser cette pendule? Voyons, je dirais l'instabilité et la nervosité. C'est une représentation directe de ton état d'esprit actuel. Eh, c'est une sorte de test psychologique. Tu veux savoir mon diagnostic? Cette affaire te stresse et te fait perdre ton sang-froid. Tu n'es pas très loin du compte. Et le truc qui brille là où le fauteuil est rouge. Qu'est-ce qu'on a là? On traîne une statue de renard à 9 queues et de tarot tellement en plein combat. Hi, attention, Apollo, il y a du sang dessus! Vraiment? Eh, mais tu as raison. Ça reste le sens du conseiller. Comment fais-tu pour rester si calme après avoir vu tout ce sang? C'est pas la première fois que je vois ce genre de choses. C'est pas drôle. Pour ma première affaire, tu pourrais au moins avoir l'air surpris ou écœuré. Je suis déjà avocat, tu veux que je sois acteur par-dessus le marché? Ça n'a pas la relation entre les deux, quand même. Tiens, cette fenêtre peut s'ouvrir. Et dehors, on a une falaise à pic. La fenêtre s'ouvre que de 15 cm, personne ne pourrait passer par là. Apollo, regarde, il y a un truc dans le cadre de la fenêtre. La fourrure dorée, quelle jolie couleur. Elle appartient sûrement à un animal. Je me demande ce qu'elle fait ici. Le conseil Kyuubi avait-il un renard apprivoisé? Ça faisait partie de la tenue du masque, peut-être. Je pense qu'on l'a terminé. Il faudrait maintenant faire parler cet inspecteur. Apollo, tu entends ça? Non, j'entends rien. Oh, c'est vrai, ton ouïe doit être moins développée que la mienne. Mais de quoi parles-tu?
C'est une sorte de souffle, comme le bruissement du vent. Et l'écho d'une voix. La... la... La justice reviendra! Bon sang! Vous avez de bonnes oreilles! C'était le bruit de ma juste voix qui résonnait dans le conduit. Et je l'ai entendu à travers le conduit? Oui, oui, pas vous-même. Mais comment c'est possible? Alors jetez un œil au plan. Comme vous le voyez, cette bouche d'aération est reliée à un conduit qui mène dans le couloir. Le vent a dû souffler dedans et transporter mon monologue jusqu'à vos oreilles. Et c'est un... C'était un monologue un peu plus unique. Maintenant que j'y pense, l'assassin est peut-être passé par ce conduit pour s'échapper. Hey, votre théorie sympathique n'est plus plausible. Je conçois que le conduit dans le couloir soit assez bas pour y entrer. Mais vous voyez bien que la bouche d'aération au plafond est très haute. Elle est à 2,74 mètres de hauteur pour être exacte. Les êtes forts qui sont possibles de l'atteindre sans une échelle ou autre. Et je ne vois rien de tel dans cette pièce. Vous devez avoir raison. En parlant de cette pièce... Oui? Pouvez-vous lui dire ce que vous avez trouvé ici, inspecteur Brillant? J'avais la vie, l'ami. Que la justice m'envoie son témoin, je ne peux rien révéler sur le dossier d'accusation. Oh, allez, donnez-nous un petit quelque chose. Inspecteur Brillant, excusez-moi, mais vous avez dit un peu plus tôt que vous étiez prêt à voler à notre secours. Oups, j'imagine que j'ai dit ça, oui. Porter secours aux gens est la définition même de la justice. Mais je... Mais ne pas révéler l'information à l'ennemi en est une autre. Que la justice soit la plus juste, c'est toujours aussi difficile. Bon, que dites-vous de ça? Faisons un petit compromis. Après tout, servir le public fait partie de la justice, non? Vous connaissez sûrement le slogan de la police. Protéger et servir. Je doute que la divulgation d'informations à la défense soit régie par ce slogan. Oui, évidemment. Ça va servir tout en protégeant. Très bien, je vais vous donner 2-3 informations. Au nom de la justice. On a réussi, Apollo. Ouais, on a réussi, mais c'était pas très éthique. C'est Mademoiselle Malvina Tenma qui a découvert la scène du crime. Tout à fait. Cette photo montre ce qu'elle a vu en ouvrant la porte. Mademoiselle Tenma avait une clé qui lui permet d'entrer. Une clé? Alors le salon du renard était fermé. Oui, Mademoiselle Tenma était la seule à avoir la clé de cette porte. Vraiment? Le conseiller Kilby n'avait pas la clé du salon du renard? Il se trouve qu'il avait un passe-partout pour la plupart des portes du manoir, mais celui-ci s'est disparu après le meurtre. Disparu? Le tueur s'en est emparé? Ça pourrait être lié au meurtre. Nous allons utiliser cette possibilité. Mais le plus important dans cette affaire, c'est plutôt le moment où le corps a été révélé. Retrouvé. Maintenant, je ne vous dirai rien de plus à ce sujet. Vous prenez pour un champion de la justice, mais vous n'êtes qu'un méchant. Vous ne mourrez pas comme ça, vieille canaille. Je n'aime que les petits, gentils petits enfants, moi. Vieille canaille? Plus personne ne dit ça. Et je ne te qualifierai pas non plus de gentille petite fille, Athéna. Ces plumes et empreintes font penser à celles d'un yokai. Vous ne pensez tout de même pas que le tueur était une sorte de monstre aussi? Comment s'appelle cette créature dans la chambre interdite? Taro, truc. À cause des grandes plumes noires et des grosses empreintes, on dirait qu'une créature était là. Je suis sûr que notre suspect numéro 1 adore jeter la photo d'une créature imaginaire.
D'ailleurs, est-ce que Tarot Trucmuche est peut-être victime de diffamation? Ça m'étonnerait que le maire fasse porter le chapeau à un croque-mitaine. Alors, le scénario le plus logique serait le suivant. Le maire Tenma a laissé des plumes et des empreintes pour qu'on accuse le cas de Tenma. Attends, quoi? Tu m'as perdu, là. Dans tous les cas, je ne pense pas que le maire Tenma ait créé de fausses preuves. Si j'ai bien compris, M. Tenma est votre seul suspect. C'est exact. Rien à dire avec son nom, Damien Tenma, il fait penser à un méchant. En plus, il fait très peur. Attendez, c'est pour ça qu'il a été arrêté? Ce serait absurde. C'était le seul à ne pas avoir d'alibi. Oh, vraiment? Oui, à part la victime, le suspect, M. Tenma, il ne restait plus que... M. Loupé, l'assistant du maire Tenma. Ils étaient ensemble au moment du crime. Arsène Loupé, celui qui a essayé de voler mon bracelet. Il porte bien son nom. On devrait aller lui reparler quand on aura un moment. Et Malvena, elle n'est pas suspectée? Bien qu'elle n'ait aucun alibi, elle n'a pas de mobile non plus. Elle n'aurait jamais pu tuer le conseiller à faire porter le chapeau à son père. Mais comment une si petite fille aurait pu soulever cette lance énorme? C'est juste, cette lance est plus grande qu'elle. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, avouez-le, Damien Tenma semble être le suspect principal. J'avoue que ça se présente mal, mais je n'y crois pas. Oh, une dernière chose. Je dois vous mettre en garde, ce joli procureur. C'est lui qui s'occupe du procès de Damien Tenma? Oui. Il est, comment dire, assez surprenant. Ce serait déjà affaire à un procureur emprisonné pour meurtre. Hein? Christophe? Non, c'est un avocat. Bah non. Puis comme tu viens de dire, c'est un avocat. Procureur, procureur. Godot? Non. Il a juste été emprisonné, Godot. Mais bah... C'est pour quelqu'un que tu connais, c'est pour te chercher. Après, il y a le père avant de Karma. Il était avocat ou procureur? Non, il était procureur, c'est vrai, mais non. Je me dis, c'est pas quelqu'un que tu connais. Bon. Comment? C'est une plaisanterie! Pourquoi un prisonnier qui prétient un poste de procureur? Car il maîtrise l'art de la psychologie pendant les procès. Tout le monde prétend que ce meurtre est l'œuvre d'une créature étrange. Mais le cas n'est que dans votre imagination! Ce sont des balivernes! Un maître de la psychologie est le mieux placé pour le démontrer. C'est le procureur idéal. Mais il était condamné pour meurtre, c'est de la pure folie. Pourtant, c'est le procureur général qui l'a désigné. Nous ne sommes pas à même constater cette décision. Je suis vraiment dans l'âge sombre de la justice. Ce procureur ne s'appellerait pas l'âme noire à tout hasard? En anglais, c'est Simon Blackwell. Blackwell, Jacques Lame Noire, Jacques Lame. Et le problème, c'est que Jacques Lame Noire, si on le dit rapidement, c'est ce qu'on pourrait dire à la place. Quoi? Jacques l'Armoire. L'Armoire, je sais pas. L'Armoire. Quoi, vous le connaissez? On peut dire ça, oui. Mais qu'est-ce que... Je parie que vous ignorez son titre officier. Le samouraï sournois, ça vous parle? Eh bien, il s'agit du procureur l'homme noir. Le samouraï sournois? Parce que c'est un criminel? Eh bien, oui et non. On peut dire que c'est un lien avec les répercussions de son crime, pardon. Que voulez-vous dire? Sa condamnation a eu un effet sournois qui a donné naissance à l'âge sombre de la justice. Quoi? Et c'est lui que nous allons affronter dans le tribunal? Pas de panique, je serai là pour vous protéger. C'est rassurant, je suppose.
Bon, on continue comme ça, les enfants. J'ai hâte de voir comment vous vous en sortirez demain. Alors, il a quel âge, notre ami le brillant? Bonne question, je me souviens pas, mais j'ai envie de dire dans la vingtaine. 33, je sais pas. Putain. 33 ans de prétention, quelle horreur. C'est pas un cadeau. Attendez, inspecteur Brillant, j'ai quelque chose à vous demander. Pourquoi êtes-vous pieds nus? Ouais. Je sais. Je ne pense pas qu'il faille enlever nos chaussures ici. Ok. Ah! 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 Je l'avais même pas remarqué! Pourquoi diable je suis sous les pieds? Il vient sérieusement de le remarquer. Oh, attends. Ces chaussures qu'on a trouvées plus tôt. Inspecteur Brillant. Seraient-ce vos chaussures à tout hasard? Oui, ce sont bien elles. C'est ma paire préférée. Merci de les avoir apportées. Vous êtes vraiment du côté de... Comment on peut se faire voler ces chaussures qui sont aux pieds sans s'en rendre compte? Je veux bien comprendre que le kleptomane, il doit être doué. Mais pas à ce point-là! Je pense pas que c'est une histoire de lui et Louis, je crois que c'est une histoire de ce mec qui est trop con en fait. Bon après j'ai dit ça, mais tu risques de voir sur un autre œil ce mec plus tard. En bien ou en mal, ça par contre je peux pas dire. Je sais, je vais changer son nom de famille. Je vais passer de Justin Brillant à Justin Boulet. C'est un boulet. Déjà un boulet. Ah putain, j'ai oublié qu'il y avait boulet. ET, c'est boulet ET là, lui. Mais, non, mais sérieusement, oui, c'est un boulet, basta. Monsieur Lupé n'aurait quand même pas déplié un inspecteur. Franchement, je suis nostalgique détective. Voler les chaussures au pied de quelqu'un. C'est incroyable! Ce qui est incroyable, c'est que l'inspecteur Brian ne se soit rendu compte de rien. Bon, je pense qu'on a obtenu tout ce qu'on voulait de l'inspecteur. Voyons. On devrait aller toucher un mot à M. Lupé. Je veux connaître son alibi. C'est affreux même! Au secours! Oh, voilà monsieur... comment déjà? Roupé? Non, je me la bloupe, Loupé! Installe, Loupé! Si vous continuez à chaparder comme ça, vous allez finir sous les verrous. Qu'est-ce qui vous tracasse, monsieur Loupé? Oh, je t'arrive, vous gère, à la vite! D'accord... Qu'est-ce qui lui prend? Entrer une sorte de masque. C'est lui l'incroyable 9-queue. L'incroyable 9-queue? Ah oui, le cacheur que j'ai vu lors de l'événement du festival. Que fait son masque ici? Pardon. Il n'aurait jamais retiré son masque, je suis sûr qu'on l'a tué. Comment? Qui aurait fait ça? Allons discuter en privé. Oh, regarde. Il y a des cheveux blancs dans le masque. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'un incroyable 9-queue a été assassiné? Mais bon, ça va? Vous faites un petit avocat, bien sûr. Oui, enfin, non. Dites-moi, s'il vous plaît. Alors, écoutez, j'ai rêvé de catcher, moi. Ça vous dirait pas qu'on s'associe pour tenter de gagner la 7e par champion? On ferait l'équipe de chaque. Moi et mon masque de bandit, et vous, votre masque de démon.
On m'a dit démon. Je peux peut-être devenir célèbre. Apollo, tu commenceras ta carrière de catcheur professionnel après le procès. Quoi? Oh non non, ce n'était pas... Pourquoi je me suis laissé entraîner comme ça? Allez, allez Apollo, interroge-le sur le meurtre de l'incroyable 9Q. Croyez 9Q, le sauveur du village, n'oubliez pas. Il est porté cap doré pour rassembler l'Europe dans 9Q. Il tourbillonne sur le ring et fait peur par les coups sur les catcheurs des deux villes. C'est lui qui a lancé la foule des monstres et rendu des villes à Fallon 9Q. La famille de notre village est pauvre d'une ville fantôme. C'est une ville de yokai. T'as alors, l'incroyable 9Q a l'air est bien incroyable. Ça oui, vraiment incroyable. Pour cela qu'on l'a bien ici. J'ai espéré d'être le même village que lui. En fait, vous aussi vous ressemblez un peu à un monstre, monsieur Loupé. Ça me paraît logique que vous soyez originaire du même village qu'un incroyable 9Q. C'est bien. On me dit souvent que je ressemble à un yokai. Prends ça comme un compliment. Aïe! Qu'est-ce qui vous prend? Regardez dans votre poche. Mais comment avez-vous fait ça? Regardez, j'en ai plein d'autres. Vous prétendez qu'un incroyable 9Q a été tué? Pourquoi donc? Pensez qu'il a été assassiné car on a trouvé son masque dans la rivière? Mais pour ça, c'est tout parce que personne ne l'a vu depuis l'événement. Oh voilà 9Q, le remarque toujours que c'est ta route de main qui l'a tué. Les villageois sont très superstitieux, hein? Un peu mon vœu, et on adore les théories de complot comme ça, les plans des ménages du maire. Le maire? Il était de ma ville? Quel est son plan? Pas qu'il veut libérer Tarotelma. C'est pour ça qu'il veut fusionner les deux villes. Il compte ouvrir la chambre satellite. Quelle histoire? Bon, qu'on finit, hein? Il n'y a qu'une seule personne qui aurait pu arrêter le maire. Notre héros, la grande 9 cœurs. Tiens. Les gens ont affronté le maire de la ville pour arrêter la fusion des villes. Impossible de vanter tout ça. Apollo, on doit encore lui poser des questions sur le meurtre du conseiller. Monsieur Loupé, pourriez-vous nous dire ce que vous faisiez au moment du meurtre? J'étais au bureau du concierge pour surveiller l'entrée, comme Monsieur Kubi me l'avait demandé. Je suis assuré, personne n'entre. Mais bien l'entrée de là où je travaille. Il doit parler de cette petite pièce à droite. Imaginez qu'on peut facilement y suivre les allées et venues. C'est quoi ça me fait penser cette pièce? Quoi? La cabane d'entrée des studios, studios cinéma avec Eichwett. Ouais, ouais. C'est pareil avec un écran tout ça, c'est pareil. Une caméra. Bien. Que mon signe télé ou de nos aussi pas. Avez-vous, bah, avez-vous un alibi pour appuyer votre déclaration, monsieur Loupé? J'en ai bien, hein? Mais qu'avec l'assistance, monsieur Tedma. J'étais avec l'assistance, monsieur Tedma. Louis Lebel, c'est son vieux Louis, c'est bon vieux Louis. Mais c'est donc ensemble. Votre alibi m'a l'air solide. Et vous n'avez vu personne entrer ou sortir du manoir au moment du meurtre? J'ai surveillé l'entrée tout du long, il n'y avait pas un chat. Et si je y avait eu, la caméra ce qui a été l'aurait dit. Donc personne n'est entré ou sorti au moment du meurtre. C'est-à-dire que le tueur se trouvait déjà à l'intérieur au moment des faits. D'après vous, ce masque est-il authentique? Non, c'est sûr, c'est bien le masque que porte la croix de 9K. Et ces cheveux blancs que nous avons trouvés à l'intérieur? Attends, j'ai pensé à un truc. Je me souviens de la fourrure dorée retrouvée sur le lieu du crime. Elle venait peut-être de ce masque. Regarde, il manque de la fourrure à cet endroit. Le masque était donc sur la scène du crime au moment donné. Ce qui veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Une personne aux cheveux blancs qui serait liée au meurtre et s'opposerait à la fusion. C'est pas possible. L'incroyable 9Q et le conseiller seraient en fait...
Qu'est-ce que tu as, Apollo? Tu fais une de ses têtes? Oh, non, ce n'est rien. Ben, venez après nous en apprendre plus, vu qu'elle travaille ici. C'est à peu près tout, hein? Ouais. Y'a rien ici, on est d'accord? Non, personne. À moins qu'on ait un truc, on est sûr qu'il est présenté. Regarde au pire ton journal, ça va nous dire si jamais on a lu quoi d'autre. Non, c'est ça, faut aller parler à. Ok. Parfois, dans les. Bah, à mon avis, dans les rebelles. Ouais, mais. Ah, tu. Ah, y'a ça un truc dans la rue, tu vois. Ouais, il est peut-être ici aussi. Mais il me semble que Verity l'avait amené à l'agence, peut-être, je sais plus. En tout cas, bref, on va voir. Ah, tiens. Tiens, voilà Malvena. Quelle est ta réponse? Du lait, des fromages, des yaourts, de la glace. Elle a l'air de faire ses courses. Je me dis qu'elle adore les produits laitiers. Un talisman pour faire de meilleurs milkshakes qui a un autre contre la tolérance au lactose. Les résultats sont déroulés de soja. Malvena, hé, hey, c'est moi! C'est mon caliban! Arg! Encore un talisman protecteur. Et Apollo? Qui est-ce? Oh, pardon, c'est la première fois que vous vous rencontrez. Voici Malvena, la fille de Monsieur Tenma. C'est elle qui a découvert la scène de crime. Oh, alors c'est elle qui... Bonjour, je m'appelle Athena Sykes. Tu viens aider Apollo à défendre son père pendant le procès. Enchanté. Enchanté également. Où est passée Verity? Elle est repartie à l'agence avant nous. Mais t'inquiète pas, Athena et moi on gère. Attends, comment? Ma sœur est comme tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas dévoré toute crue. Et détends-toi, je ne l'ai pas mangé, je t'aurais jamais fait ça. Oh, ma pauvre Verity, c'est... Moi aussi j'ai envie de pleurer, mais pas de tristesse. C'est une petite fille très intéressante, Apollo. Malvena, est-ce que tu te souviens d'autre chose? Pas vraiment. En tout cas, pas pour l'instant. Mais tu penses que Taro Tenma est l'assassin, c'est bien ça? Le yokai qu'on a vu au festival? Je ne sais pas. Hein? Mais tu as dit que Taro Tenma avait tué le conseiller? Toi, bien! C'est toi. Mais même Malvena, tu peux me le dire. Ah, mais pourquoi? Parfois, on imagine des choses quand on a mal dormi. Les mots s'existent pas. Quoi? Quelle mouche l'a piqué? Mais si les mots n'existent pas, tu reconnais que je suis un humain? Non, toi, tu es toujours devant. Ok, j'abandonne. Une raison que j'ignore, Malvena ne veut pas parler de Taro Tenma. Mais c'est de ça qu'on voulait lui parler. Elle pensait vraiment qu'il y avait un yokai dans le salon du renard. Malvena, ce talisman. Oh, c'est... Tu me l'as donné avant que j'aille examiner la scène du crime. Tu croyais que Taro Tenma était le meurtrier. C'est pour ça que tu me l'as passé, non? Si tu peux lui dire quoi que ce soit d'autre, ça nous aiderait énormément. Et ça aiderait ton père, bien sûr. Mmh. Bon, d'accord. Oh. Pourquoi penses-tu que Taro Tenma est l'assassin? Je l'ai vu dans mes propres yeux. Taro Tenma était dans le manoir. Il s'est échappé de sa prison. Et il est passé à côté de moi. Quoi? Malvena, dis-nous ce que tu as vu. J'ai appelé ce truc après avoir découvert la scène. Je l'ai retourné sur le site du festival quand... J'ai vu Taro Tenma. C'était pas là. Il s'est dirigé vers toi. Non, bon. J'étais complètement paralysé. Mais il n'y avait personne pour m'aider. Cet horrible bac est passé juste à côté de moi, puis s'est dirigé vers l'entrée. Vers l'entrée?
Et à ce moment-là, Monsieur Lupin et Monsieur Lebel étaient censés s'y trouver. Donc, ils auraient dû voir Tarotelma eux aussi. Il ferait mieux de prendre leur déposition. Vu l'état dans lequel était Malvena, sa vue aurait pu lui jouer des tours. Apollo? Tu te souviens de la photo du journal? Quelqu'un a vu Tarotelma voler. Je me demande si c'est le même Tarotelma que Malvena a aperçu. Mais ça paraît ridicule. Tarotelma, l'assassin! Hé, il peut voler! Bon, ça va être dur en tout. Puisque Malvena travaille au manoir, elle pourrait nous aider à comprendre ceci. Si j'ai bien compris, personne ne connaît l'identité d'un incroyable neuf queues. C'est ça, personne ne l'a jamais vu sans son masque. Ça te donne pas envie d'en savoir plus? Si, ça explique l'engouement pour lesquels tu qui tentent d'exhiber leurs adversaires. Attends, exhiber, c'est-à-dire dénuder? Hé, c'est parce qu'on a des mots en plus. Fakir se contente de retirer le masque du perdant. Tu vas retirer son masque et la pièce de simulation pour Catcher. C'est pour ça qu'ils accordent une importance capitale à leur masque. Pour les Catchers, se faire démasquer est équivalent à mourir au combat. Alors, ce masque s'est pas retrouvé par hasard dans la rivière. Tu dois cacher quelque chose. Personne ne peut arrêter la preuve que... Il serait choqué d'apprendre l'identité de celui qui te cachait sous le masque. À propos du yokai que tu as vu sur le lieu du crime, as-tu remarqué autre chose? Oh, faut dire, j'entendais un étrange tétement. Tétement. Un tétement? Tu peux nous en dire plus? Je me souviens pas trop. Je crois avoir vu Tarotelma fait tenir un bâton en tout du genre. Ah, c'est un truc que j'ai à peu près en cosplay, moi. C'est peut-être ça qui faisait le plus étrange. C'est un sceptre. Tarotelma possédait le bâton d'habitude? Pas de question. Ça me dit rien. On va passer sur le parchemin. Et les autres documents, est-ce qu'ils montrent Tarotelma avec un bâton? C'est le nid document qui représente Tarotelma. Ce qui représente inutilement les démons sont posés tout jamais. Il y a un truc qui cloche avec le Tarotelma que tu as vu, Malvena. Pourquoi ne pas m'avoir dit plus tôt que tu avais vu Tarotelma? C'est Monsieur Lebel qui m'a ordonné de rien dire. Monsieur Lebel? C'est son papa. Ah, on a le nom de famille, mais je suis curieux de savoir quel prénom. On l'a pas eu tout à l'heure, c'est Louis Lebel. C'est l'oncle Lupin qui l'avait dit. Ah, mais Louis tu vois. Tantôt en musique. Alors, c'est bien parce que Louis Lebel, ça fait penser à... un seigneur chez nous. En fait, la famille, les Lebel, c'était une lignée de rois. Philippe Lebel, tu connais? Non. Bah, on s'en nommait le roi de fer. Le fils, c'était le fils du roi de fer, pardon. Et donc, c'est fait partie des seigneurs qui a causé, on peut dire, la guerre de 100 ans chez nous. Ah. Un peu, c'est indirectement, mais ça fait partie de l'histoire. Oh, c'est vrai, l'autre homme qui était soi-disant dans l'entrée au moment du crime. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Oh, c'est superstition du village, moi. Du village. Avant de lui raconter ce que tu as fait avec ta misérité de maman du crime. Les superstitions du village? On raconte qu'il ne faut jamais regarder ta rotellement. Mais si vous le faites. Et que vous en parlez à quelqu'un, Tarotelma s'emparera de votre âme. Et que les villageois sont au courant? Encore des fadaises. Oui, tout le monde le sait, les bébés comme les vieillards. Mais pas moi, car je ne suis pas d'ici. Et d'ailleurs... pourquoi se couvre-t-il tout ce visage? Oula, ça fait plaisir de regarder Tarotelma, baissez les yeux! Vous ne prenez pas garde, il volera votre âme! Quoi? Il volera mon âme, sérieusement? Pendant l'événement, on va être exactement pareil!
Ah, j'aurais pas de boy, mais j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Apollo, tu penses que c'est belle croire en l'existence de Taro Tenma? C'est pareil, j'ai dormi que 3-4 heures, donc je suis claqué. Ouais, je crois que j'ai dormi genre moins de 6 heures. Ouais. J'en doute fort. Il n'est pas originaire du vallon de 9 queues. Alors pourquoi empêcherait-il Malvena de parler? C'est ce que j'aimerais savoir. Je crois qu'on devrait aller l'interroger. Ils ont démasqué ces mystères monstrueux. Ah, la dernière fois que j'ai vu ce lebel, il était dans le hall d'entrée. Bueno, prochain arrêt, l'entrée du manoir. Avec un peu de chance, on t'ouvre là-bas. Ah, je vais pas faire la blague, je vais pas faire la blague, tu fais pas la blague, fais pas la blague, fais pas la blague, fais pas la blague. C'est bon, j'ai pas fait la blague. Et c'est bon aussi, quelle blague, et là tu l'as fait. Y'a personne, on a vraiment pas de bol avec ce monsieur Lebel. Il est peut-être sorti. Il y a quelque chose sur le bord de la fenêtre du bureau. C'est un programme télé. Quelqu'un a entouré un match de catch professionnel. Hein? Ouais, quoi? Non, parce que du coup, sur l'annonce, c'était commenté par un tel Edward Nelson. Tiens. J'y peux. Et ça faisait penser à quelqu'un qu'on connaît en France. Eh, hey, mais c'est quoi vous faites, là? C'est un... Oh, monsieur Loupé, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je suis sûr qu'elle a hurlé au monstre et qu'elle n'aurait pas, elle n'aurait pas eu complètement tort. Ah, rien de fait, ouais. Mais vous faites quoi avec mon programme TV? Oh, il a retenu mon attention, c'est tout. Et vous regardez cette émission de catch aujourd'hui? Ouais, ah ouais, moi j'aime pas, je vous le dis, moi. Un désastre. J'aurais pu faire mieux, vous aussi. C'est cela, oui. Nelson Edward. J'ai fait oublier que j'avais une question à lui poser. Monsieur Lupé, avez-vous remarqué quelque chose au moment du meurtre? Par exemple, Taro Tenma ou un autre yokai? Hein? Taro Tenma? Vous l'avez donc bien vu. Oh, votre front est tout propre, on est juste aujourd'hui, monsieur l'avocat. Je sais pas que vous faites l'urine, je sais que je les donne au rafaleur. Ne changez pas de sujet, et votre flatterie était de très mauvais goût. Mais Vena a dit avoir vu Taro Tenma s'enfuir vers l'entrée. Vous avez dû voir aussi, puisque vous y étiez. Ouais, je sens que je sais le bon bout. Alors, l'avez-vous vu, oui ou non? Le v'là, le fameux, lui, oui. On est d'accord que... On est d'accord que... Avec le cheveu, le maquillage, la veste, les couleurs, la fleur. C'est une parodie du Joker, non? C'est vrai qu'il ressemble beaucoup au Joker, mais... On est d'accord. T'as pas vu encore c'est quoi qu'il a sur les épaules, lui, hein? Parce que oui, ces trucs genre sur ses épaules, ils ont une utilité, tu vas voir. Hein? Et quand ça? Probablement au procès, je suis pas sûr qu'on voit... Alors, peut-être... Je sais pas, bref, tu verras. Il suffit... Cessez d'importuner mon ami. Qui êtes-vous? Je suis Louis Lupin. Beauté divine et assistant personnel du maire Damien Tenma. Beauté divine? Moi je dirais Yokai 2. Cet endroit grouille de monstres, ma parole. Oh, excusez-vous. Merc! Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'était un soupçon d'eau de colonne. On empêchait la transpiration pleine. Elle vient de ma marque de cosmétique que j'ai baptisée La Belle Beauté. Oh, quel parfum exquis. Ouah, je sens que mes récepteurs olfactifs sont atrophiés.
Non, non, Anto. Quoi? C'est POIS! Je suppose que les plouks ne sont pas friands de ma fragrance. Pourtant, vous gouvernez. C'est-il bonjour numéro 5. Sérieusement? J'ai mis dans la version anglaise, je me souviens qu'il y a quelques trucs en français avec lui, des fois, de temps en temps. Je vois quelques noms en français. Un nom de famille pareil. C'est ma façon de me présenter. J'espère qu'elle vous plaît. Et si je lui présentais mon parfum adieu pour lui envoyer l'ascenseur? Passons. Veuillez nous raconter ce que vous avez vu au moment du meurtre. Apparemment, vous autorisez à Malvella de ne pas parler de l'apparition de Taro Tenma. Quelle petite! Alors, elle veut dire voir personne le démon, c'est dans cela? Monsieur Lebel, croyez-vous aux superstitions du village? Enfin voyons, je respectais simplement les traditions. C'est fou, je vais vous dire une chose. À votre place, je vais très de fourrer ce gros nègre à les affaires de Taro Tenma. Parce que rien de leur attache, je vous le garantis. Ce monstre-là. En étant vrai. C'est insensé. Vous voulez vraiment me faire croire que les monstres existent? Oh non, vous êtes vous. Et vous avez tout le l'air d'un monstre. Il peut parler, franchement. Monsieur Lebel, vous n'avez donc pas vu Taro Tenma? La petite Malvena, t'es pas d'imagination, n'est-ce pas, Arsène? Pas sûr, j'y arrivais, ouais, pas Taro Tenma, en tout cas. Quant à moi, je n'exerce que pour les belles choses. Mais pourquoi je me vois à peine? Il est totalement taré, j'hallucine. Comme le Joker. Que faisiez-vous au moment du crime? Vous souhaitez connaître mon lit? Vous me soupçonnez? Non, c'est une simple formalité. Nous posons les mains qui... Comment osez-vous douter de moi? Je suis insulte à mon irrésistible beauté. Vous vous mettez le doigt dans l'œil, monsieur. Non, c'est votre parfum que j'ai dans l'œil. Alors, Lupin, que faisons-nous? Réponds à la question de monsieur. Pas en crème, mon intérêt. Laissez entrer. Exactement. Bonne réponse, monsieur Lupin. C'est comment répéter ce que vous... Ah! Ça te fait quoi que ça? Qu'est-ce qu'ils ont, ces deux gus? C'est ça qu'ils vont taper sur le système. Ah, vous avez terminé? Je suis un homme très occupé, vous savez. Ouais, merci pour votre aide. Les deux hommes étaient donc dans l'entrée, mais aucun n'a vu Taro Tenma. Suis-moi, Lupin. Faut qu'on va... Ah oui, faut qu'on s'entraîne pour les glaces de demain. Et... Un jour, tu vas se connaître à propos de ton talent qui m'a pendu. S'entraîner pour les déclarations. Vous prenez mes excuses, je vais aller retoucher mon maquillage. Apollo, ça peut paraître étrange. Mais Monsieur Lebel semble se soucier un peu trop de Taro Tenma. Vraiment? Comment tu le sais? Bah, c'est un peu dur à expliquer. Je peux percevoir les émotions des gens au ton de leur voix. En gros, tu as de bonnes oreilles. Oui, pareil. On peut dire ça. Les émotions des gens s'expriment à travers leur voix. Étrangement, mes oreilles peuvent même déceler les tonalités les plus subtiles. Intéressant. Mais où veux-tu en venir? Je suis pas certaine, mais il avait l'air obsédé par Taro Tenma. C'est ce que sa voix m'a évoqué. Le Taro Tenma est vraiment partout, hein? Il faut réussir à aller parler au maire. C'est parti! On va voir s'il veut vraiment relâcher Taro Tenma, comme le prétend la rumeur. Qu'est-ce qu'il y a, Apollo? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. J'ai vraiment demandé au maire s'il compte relâcher Taro Tenma. Dans le meilleur des cas, il me prendra pour un imbécile. Et dans le pire... Brrr. Oh, le voilà! J'ai content de vous rencontrer enfin! Je suis la partenaire de Monsieur Justice, Athena Sykes. J'ai hâte de collaborer avec vous, Monsieur... Taro Tenma.
Ah ouais, moi aussi, j'ai hâte. Ah! J'espère qu'il n'en veut pas Athéna d'avoir utilisé un mauvais nom. Apollo, je le trouve tout comme un agneau. Vous avez mis de la chance, après ta bourde monumentale. Je voulais apporter un sujet avec vous. Il paraît que vous comptez libérer Taro Tenma ou que vous l'avez déjà fait. Ça ne sera pas... Ce ne sera qu'un épisode. Oulala! On craint toujours le pire de moi. Tout cela à cause de mon apparence. Mais c'est un assassin en face. Vous pouvez vous croire sans mal. Je vois qu'il est un peu susceptible. Ce qu'il lui faut surtout, c'est développer son relationnel. D'après la rumeur, vous devriez faire adopter la fusion municipale dans le but de libérer Taro Tenma. Mais ce sont des balivernes, pas vrai? Ah, désolé, pardon, excusez-moi, je ne voulais pas vous offenser. Voilà de quoi parler, villageois! Je comprends que ça vous mette en rogne. Et si les camarades de classe de Malvena la persécutent à cause de ça? Pardon? Je dois sortir d'ici immédiatement! Donnerai une bonne leçon à ces bourreaux! Passez vite, nous devons d'abord vous acquitter! C'est pas de m'arrêter! Il en va de mon devoir de père! Tiens bon, mon petit Malvena! Papa vient à sa rescousse! Et calmez-vous, nous prendrons soin de votre fille jusqu'à ce que vous soyez un homme libre. Vraiment? Vous voulez pas que je règle les choses à ma façon? Mais c'est mieux! S'il se pointait à l'école de Malvena, le GIGN répliquerait aussi sec! Ah! Au fait, je dois lui demander la raison de la fusion municipale. Elle nous demandait dans la version anglophone, est-ce que c'était autre chose que GIGN? Ça devait être genre FBI ou un truc du genre. SWAT plutôt, non? Je crois pas que c'était SWAT, non. Je pense que c'était FBI. Parce que votre SWAT à vous, c'est notre GIGN à nous, hein, pour info. Hein. Ouais, je sais, c'est pour ça que je sais que ça devait être différent dans l'autre. Il me semble que vous avez redoublé d'efforts pour que la fusion municipale se produise. Le ballon de 9 queues vous intéressait-il tant que ça? Oui, voyez-vous, c'est une situation clé pour le tourisme. Une seconde. Mon intuition me joue des tours ou bien... J'admets que je dis parfois dû hausser le temps, mais seulement lorsque c'était nécessaire. Mais t'es sûr, mon bracelet réagit. Qu'est-ce qui se passe, Apollo? Je crois que Monsieur le maire ne nous dit pas toute la vérité. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quand il monte, les gens ont tendance à se raidir. C'est là que mon bracelet entre en jeu. Je peux sentir les tensions chez la personne à qui je parle. Car il se contracte autour de mon poignet. Santec! Tu peux faire ça? Trop fort! Attends, tu me crois? C'est facilement? Bah oui, on a tous et tout un don. C'est vrai qu'Athéna possède un don, elle aussi, son ouïe spéciale. Mais à ton avis, quel est le mensonge du maire? Aucune idée, mais on va le découvrir. Ça fait une peine que mon bracelet n'a pas réagi comme ça. Voyons voir comment ça marche déjà. Pour commencer, j'appuie sur mon bracelet Y. Allez, j'essaie. Oui, je me souviens de cet état de concentration intense. Je peux voir les petites contractions et les froncements les plus subtils. Mais c'était là à menti pendant cette dernière déclaration. À ce moment-là, un tic bien spécifique est apparu pile au-dessus de son œil droit. Il nous faut juste déplacer l'angle de vue et me concentrer dessus. C'est bon, je le tiens. Son tic devrait apparaître lorsqu'il essaie de me berner. Je dois examiner chacun de ses mots et attendre que son tic se déclenche. Quand je le verrai, je devrais le percevoir, Y. Monsieur le maire, vous pouvez nous dire la vérité, vous savez. La vérité? C'est ce que je viens de faire! Lorsque vous avez parlé de tourisme, le dessous de votre œil droit s'est mis à tressauter. Quel caramel vous mettrez, vous là? Et si c'est le cas? Parlez-nous encore de la fusion. Pas parce que je peux vous dire de plus.
Quelle est la vraie raison pour laquelle vous souhaitiez fusionner les deux villes? Je vous le répète, le tourisme. La forêt des monstres a redémarré le village sans faire une destination prisée. Vous savez, vous pouvez nous faire confiance, Monsieur Tenma. Je vous demande pardon? Là, j'ai bien plus attractif depuis le début de la folie des monstres, n'est-ce pas? Je pense que vous ne voyez pas la contradiction entre votre déclaration et les faits. Vous dites que le vallon de neuf queues a été redynamisé grâce à la folie des monstres, alors... Vous pensez qu'il attirerait les touristes, mais c'est aussi une contradiction. La légende du genre le parchemin, je sais pas. C'est de l'attente. Ah oui, parce que sur le coup, avec le... ils illustrent l'apparition du monstre. Non, attends. Ils représentent le démon, c'est ça? Non, je crois que c'est. Il faut le poster de l'incroyable truc. Ouais, lui. Parce que c'est lui le truc, le gros hit de... C'est pas les yokai. Cette folie au vallon de neuf queues est un phénomène très récent. L'année quand l'incroyable neuf queues s'est opposé à la fusion. Avant ça, le vallon était presque une ville fantôme. Ah. Je vois pas comment vous auriez pu le voir comme un lieu touristique. Pourquoi avoir décidé de fusionner Tenma Ville et le vallon de neuf queues alors? Eh bien, Vous êtes prêt à me dire la vérité? Pour te maudire, au départ, je ne voulais pas que la fusion ait lieu. Mais c'était le seul moyen de protéger ma petite Valmena. T'as protégé de quoi? Quelqu'un m'a menacé. Si je ne voulais pas qu'elle meure, je devais faire fusionner les deux villes. Pardon? C'est affreux! Qui ferait une chose pareille? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais la personne qui m'a fait chanter a forcément un lien avec le meurtre. D'après vous, il pourrait s'agir de l'assassin? Le conseiller Kyubi était extrêmement populaire. Il devait sans doute avoir beaucoup d'adversaires. L'individu qui voulait la fusion à tout prix avait des raisons de le tuer. Il y a quand même un monde contre le chantage et le meurtre. La controverse autour de la fusion ne disparaîtrait pas avec un mot du conseiller, avec la mort du conseiller. Ah, peut-être que... Et s'il y avait un autre mobile? Comme quoi? Cette personne avait peut-être découvert l'identité secrète du conseiller Kyubi. Et ce secret mettrait son projet de fusion en danger. Je ne vois pas où tu veux en dire, Apollo. J'ai une piste à la conviction qui révèle l'identité secrète du conseiller. Je vais lui montrer. Le masque. Monsieur Tenma, regardez ceci. C'est le masque de la croix de neuf queues. Je ne comprends pas. Je suis convaincu que ce masque se trouvait sur les lieux du crime. Et nous avons trouvé des cheveux blancs à l'intérieur. Des cheveux blancs? C'est vous? Seule une personne avait les cheveux blancs au manoir ce jour-là. Que c'était-vous, juste? Vous savez de quel homme je veux parler, n'est-ce pas? Je parle de Rescue Bee, l'incroyable neuf queues en personne. Quoi? Conseiller était... C'est impossible! Attendez, c'est vrai que le conseiller Kyubi était un ancien catcheur pro. L'assassin aurait donc découvert l'identité secrète du conseiller. Tu répètes ce que je viens de dire, non? Mais oui, l'incroyable neuf queues représentait une menace. Il s'opposait à la fusion, ce qui a provoqué la folie des monstres. Mais que faisait le masque sur les lieux du crime? Un événement se tenait au manoir. Et le conseiller Kyubi était peut-être présent, si vous voyez ce que je veux dire. C'est complètement absurde. Monsieur le maire, existe-t-il une preuve qu'on vous a menacé? Oui, une lettre de menace. Malheureusement, elle a disparu après le meurtre. Elle se trouvait dans ma mallette. Mais elle s'est complètement volatilisée. L'assassin a dû s'en apparaître après avoir tué le conseiller. Bon, on a au moins trouvé le mobile pour ce crime.
Monsieur le maire, les heures de visite sont terminées. Oh là, c'est à toi. Monsieur le maire, les heures de visite sont terminées. La dernière réunion que touche à sa fin. Apollo, tu penses vraiment que le tarot Thelma vu par Malvina est l'assassin? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les monstres n'existent pas. Tu as oublié l'article de presse? L'assassin a peut-être libéré Tarou Thelma pour qu'il fasse le sale boulot. Oh, arrête ton char! Tarou Thelma est un être victime, tu as besoin de le libérer. Oui, mais pour l'instant, les seuls suspects de la police sont le maire et un yokai. J'imagine que demain, on devrait débattre sur la présence supposée d'un yokai dans l'affaire. Pfff, j'imagine déjà l'incrédulité se dessiner sur le visage du juge. Apollo, ça va? Tout va bien, tout va bien. Je trouverai quelque chose. Il le faut, car je ne peux pas prétendre qu'un démon volant a tué le conseiller. La seule chose sûre, c'est que ce procès va être très particulier. Comme tous les procès, j'ai envie de dire. Sans blague. C'est toujours le même juge, en plus c'est le pire. Et pour il est immortel, ce mec. Plus. Ouais, son petit frère. C'est lui qui était avec les cheveux blonds, là. Ça copie, mais avec les cheveux blonds, ouais. Il n'y a pas de barbe, lui. Donc, on va s'arrêter là? Ouais, un peu fatigué aujourd'hui. Puis, ouais, fatigué aussi. Vu l'heure, je pense pas qu'on ait le temps de faire le procès au complet, anyway. C'est clair, exactement, on est tout à fait d'accord. On est fatigué, j'ai faim, on n'a pas le temps, fait que ouais, je pense qu'on va arrêter là. Ouais, moi je vais me dormir rapidement, je prépare mes affaires en me levant demain matin, c'est plus simple. Yes. Bon, qui c'est que je peux m'aider aujourd'hui? Shadow est toujours en stream. Ah, il fait Final Fantasy, ouais. D'ailleurs, elle était pas censée faire un truc sur TPT le samedi ou quelque chose, on en avait parlé. En tout cas, bref. Le 15 juillet, elle fait un 12h. Ouais, et elle prépare un événement aussi à plusieurs joueurs DBD ensemble. Oui, ben c'est ça, on en avait parlé. Est-ce que DBD va s'ouvrir à un plus gros nombre de joueurs, c'est ça? Ah ouais? J'ai pas entendu. Bah, les parties, il y a beaucoup plus de nombre. Ah ouais? Ouais, au lieu d'être à 4 plus un tueur, ce serait beaucoup plus nombreux, il me semble. Ah, je sais pas. Faut voir les détails après avec Shadow. Bon, du coup, on veut Shadow? Ouais. Allez, on prépare le read, on met les messages de read. Si vous êtes ça, vous pouvez copier le deuxième. Du coup, de mon côté, ben, nous autres, on se revoit demain. Hein, demain à 20h, par contre, pour moi, 20h QC, parce que demain, c'est Terraria Tuesday, mais un jeudi, parce que cette semaine, exceptionnellement, c'était la fête de Théo mardi. Du coup, moi et Mizu, on est allé là. Et du coup, cool. Demain avec Mizu, Terraria à 20h. Et quant à moi, on se retrouvera qu'à partir de mardi de la semaine prochaine au plus tôt. Ouais. Trop de choses à faire, je pars à Paris le week-end, c'est pas la peine de faire des streams, je serai occupé avec du monde, alors forcément c'est pas la peine. Ouais, du coup le prochain Ace Attorney, ça risque d'être mercredi ou plus tard la semaine prochaine, je veux dire, ça dépendra de tes disponibilités du coup. Ouais, du coup, ben mardi, comme j'ai dit, j'ai été rien. On en parlera au week-end. Le mot de la fin, Anto? Sur ce, salut!